Et bonsoir tout le monde, petit switchage d'affichage. Tout semble fonctionner, c'est magnifique. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? On ne s'est pas vu depuis samedi soir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, salut Onra, salut Karine Soumi, salut Matt le Mixo, salut Avnes, salut French FrenchDefXXL, salut bonjour, salut Lucky Luke, salut Ezekiel, salut Insomniac, salut Karine Soumi, je crois déjà fait, salut Magnus le Rouge, salut Cyril, salut Tronka, salut Malakin, salut Laurent Raymond, salut Mousso Choco, salut Zugera, salut Kimou, là ça va trop vite, ça va trop vite, salut, salut Homme du Chaos, salut Kamehameha, salut Sajares, salut Silus, salut Onra, salut Gwenael, salut Yoke, salut Amcelès, salut Shinjui, salut Kael, salut, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite, salut Dami, salut Xanos, salut, mais non j'ai pas le temps de lire, salut Frost, salut LGDM YouTube, salut Galadi, salut Benoît, salut Réavis, salut Vilain Plouk, salut Yippie, salut Absalom, salut La Chouette, salut Davaro, salut Gamers Frido, salut Thomas, salut Fulgorama, salut Waterfall Knight, salut Fenrir, salut Kedance, salut Noyal, salut Gaëtan, et nous avons Gaëtan justement qui se réabonne pour la 5ème fois, 5 mois de soutien. Merci Gaëtan, des bisous et bim le resub, merci beaucoup. Ma voix qui parle. Salut Elsefried, je parie qu'une Maudie est cachée à côté de Crane. Eh bien non, elle est dans la pièce d'à côté, Maudie. Elle est dans la pièce d'à côté, elle prépare son setup pour son live de ce soir, bah oui. Salut Karts, salut Valhalla. Salut Crapthorn. Un dimanche sans Crane live, ce fut long. Ah là là, moi je l'ai pas vu de passer ce dimanche. Salut Apayo, salut Toast, salut Phytosia. Salut Firesan, Firesan, je ne sais pas comment le dire. Et nous avons Shizuatako qui se ramène pour la 20ème fois, 20 mois, 20 longs mois de soutien. Merci Shizuatako, les bisous et bim le resub de l'infini, merci beaucoup. Salut Nikobu, salut Féculent, salut Quentin Sénine, salut Kalas, salut Aslag DT, salut Squall. Et nous avons Insomniac qui se réabonne pour la 5ème fois. Merci à toi aussi Insomniac, des bisous et bim le resub d'Insomniac, merci beaucoup, merci beaucoup. Salut Blondie Angel. Salut Senolite. Et nous avons Elsaria. Elsaria qui se réabonne aussi pour la 5ème fois. Ça en fait les 5ème mois de réabonnement. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 mois? Merci beaucoup pour le soutien. Les bisous et bim le resub. C'était pas Noël? Je sais pas. Parce que ça fait. Oui, si, c'est ça. Vu que ça va être le 5ème fois, ça fait 4 mois. Oui, c'est ça. C'était le soir de Noël, je pense. Et nous avons Silkage. Silkage qui se réabonne pour la 17ème fois. 17 mois de soutien. Merci Silkage. Des bisous et bim le resub de l'infini. Encore un. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est un peu violent la musique de Quake, mais vous arrêtez pas. Eskea, Skea, Sea, Skea, je ne sais pas, 91 qui se réabonne, merci. Toi aussi, tu as dû être là pendant la soirée de Noël. Des bisous et bim le resub de Skea, merci beaucoup, c'est très très gentil. On va mettre... Et nous avons Afne, Afne qui se réabonne pour la 4ème fois. Hein, bon, je vais descendre, parce que sinon je vais jamais avoir les messages, voilà. J'ai zappé plein de messages, j'en suis désolé en tout cas. Et bim le resub d'Afne, merci beaucoup pour le soutien, c'est très très gentil. Et nous avons Argorf, Argorf qui aussi se réabonne. Pour la 5ème fois, 5 mois de soutien, les soutiens du soir de Noël. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Vous êtes adorables, des bisous et bim le resub. Merci beaucoup. Salut Léani, salut Kira Life. J'ai regardé la VOD de Emily Zoé ce week-end et je me suis tellement marré. Tu as vu? J'ai gagné au jeu. Voilà, facile, il est facile ce jeu. Salut Gros Bluff. Première fois que j'arrive à te voir en live, nous dit Novice Game. Bah bienvenue à toi. Crane 17 mois, c'est Noël aussi. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai, Torgul. Bonne remarque. Salut Lucky. Salut Menlia. Salut Mathuro. Un Crane heureux, tu as un appart enfin. Non, j'ai bien mieux que ça. J'ai bien mieux que ça, j'ai une maudite. Et nous avons Kinol, Kinol qui se réabonne pour la 8ème fois. 8 mois de soutien, merci Kinol, des bisous et bim le resub de Kinol, merci beaucoup. Salut Est, salut Karl, salut Tenzio, salut Checkers. J'aime manger devant toi, Crane, par contre, m'en veux pas de manger des pâtes au saumon, c'est beaucoup trop bon pour s'en priver. Très bien, tu fais bien ce que tu veux. Salut Tel Crolet. Salut Ralbio. Salut Lorelei. Crane, alors, pas vu passer ce week-end, fallait ouvrir les volets de la chambre pour savoir si on était le jour ou la nuit vampire. Et Dr. Philbal qui rejoint la Glou Family, bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de. Je rappelle, les personnes qui s'abonnent ont un mot de la langue française qui leur est complètement désigné à vie et ils vont pouvoir le tatouer sur la fesse droite ou gauche, la fesse de leur choix. Donc, y a-t-il sur la fesse, bientôt sur la fesse de Dr. Philbal, nous allons le savoir. Quel mot y a-t-il? Eh bien, dans les yeux de Dr. Philbal, il y a de la contribution. Oui, contribution. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, Dr. Philbat est quelqu'un qui sait que c'est important, même le petit geste contribue à permettre que cette communauté puisse continuer, qu'il y ait de l'entraide, qu'il y ait des choses comme ça. Bah oui, c'est comme ça, parce qu'il est comme ça, Dr. Philbat. Merci beaucoup, les bisous, et bim, le sub de Dr. Philbat. Donc tu n'oublies pas, tu dois te faire tatouer contribution sur la fesse. Voilà, très important, très très important.
Crane, pourquoi un stream d'un homme heureux? Qu'est-ce qui te rend si heureux? Pour ceux qui n'ont pas suivi, eh bien, j'ai ma chère Étende qui est revenue du Canada, mais qui repart plus. Voilà, je la garde. Je la garde à vie, avec moi. Salut Shigamaru Girl. Yup, Mifanvi. Salut Motoshiro. Coucou Elwenza. Salut Elana. Yup, Kimisukiro. Content de te voir après une journée plus que mauvaise. Maudie arrive quand elle est là, dans la pièce d'à côté. Salut Lucio Wolf. Salut Zone Piece. Salut Stazla. Elle est classe cette musique, c'est quoi? C'est quoi? Castlevania, Lords of Shadow, Final Confrontation. Show version. Voilà. Salut Hades. Salut The Big Fit. Salut Gigawatt. Oui, elle reste définitivement Maudie. Fightcrane, j'en connais un qui n'a pas eu de mots, je dénonce pas, mais Kimu 75. Ah oui, c'est vrai, je vous ai vu en parler en plus. Ah, Kimu, quelle tristesse. Qu'y a-t-il dans... Ah, parfait, Kimu. Kimu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans les yeux de Kimu? Eh bien, dans les yeux de Kimu, il y a des... du... Hein? Comment on peut dire? Un remorquage. Et oui, parce que quand vous regardez les yeux de Kimu, si vous êtes un petit peu perdu et que vous avez l'impression que plus rien n'avance, eh bien il vous regarde et il vous remorque et il vous emmène avec lui vers des endroits plus joyeux, plus heureux et ça va beaucoup mieux dans votre vie. Donc voilà Kimu, rien que pour toi, tu pourras te tatouer remorquage sur la fesse. Voilà, ne me remercie pas. C'est le moins que je puisse faire. Voilà, des bisous. Non, j'ai pas d'appart là, chouette. T'as vu le début de la saison 6 de Game of Thrones? Non, je pense que je le regarderai ce soir. Et nous avons Jorakix qui rejoint la Blue Family. Bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de... Qu'y a-t-il dans les yeux de Jorakix? Nous allons le savoir. Attention, plein de... Ah non! Ah non! Je sais pas si on l'a eu celui-là. Plein de cendriers. Ça veut dire que vous fumez, ça ne va pas du tout. Mais les cendriers sont importants parce qu'il y a quand même des gens qui n'arrivent pas pour le moment à arrêter de fumer, ça va venir. Et tant qu'ils n'y arrivent pas, c'est important de jeter ses mégots dans le cendrier plutôt que partout dans la nature. Donc grâce à toi, Jorakix, eh bien, on fait en sorte que ce soit un petit peu plus propre et qu'il n'y ait pas des mégots de cigarettes partout. Donc GG à toi, merci beaucoup pour ta dévotion, tu es adorable. N'oublie pas, toi aussi, de te tatouer cendrier sur la fesse. Voilà, des bisous, merci beaucoup. La légende raconte que Crane et Molly se sont rencontrés sur le tournage du générique. Salut Ubinator, elle est vraiment épique cette musique, hein. Castlevania, Lords of Shadow, Final Confrontation, elle est vraiment très très classe. J'en étais où? Salut Bibish Game, salut Ubinator, salut c'est Cassop, ça fait longtemps, période de partiel et tout et tout, j'espère que ça s'est bien passé, quoi de neuf? Et bien il y a surtout une immense chose de neuf, une immense d'un mètre 55. Salut Eternal Summer, salut Mandalors. Crane, pour prendre un coup de vieux, cela fait un an qu'Aventure existe et que pour ma part, je t'ai découvert. Et nous avons Heisenberg qui rejoint la Blue Family. Bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté dindons avec des yeux pleins d'œufs. Qu'y a-t-il dans les yeux d'Heisenberg? Il y a, on l'a déjà eu. Il y a des paquets. Vous regardez les yeux d'Heisenberg, il y a des paquets. Alors, est-ce qu'il y a des gros paquets? C'est pas important, la taille. Des cadeaux, parce que ce sont des paquets cadeaux, bien évidemment, parce qu'il adore faire des cadeaux aux autres dindons. Merci beaucoup, Heisenberg, des bisous, merci beaucoup. Ah, voilà, et bim. Salut, Dashan. C'est parti pour le brainstorming, c'est quoi mon mot perso? Ah, tu l'as pas eu, Dashan? Attends, tu l'as déjà eu, toi. Moi, je peux pas m'en souvenir de tous les mots, hein. C'est à vous de vous rappeler de votre mot. Hein. J'hésite à me faire tatouer épouvantail sur la fesse quand même. Et nous avons Algadon qui nous dit un petit cadeau car j'ai envie. Blablabla. Merci beaucoup, Algadon, pour ce joli dindon. C'est très très gentil. Des bisous. Merci à toi. Salut, Desferia. Ce vous me va, je file au tatoueur, Crane Life. Parfait, Dr. Philbal. J'adore ces gens qui rejoignent la communauté et qui en plus sont extrêmement dévoués. Et doués, probablement aussi, et bien sûr. Et vont jusqu'à se faire tatouer le mot qu'il aurait attribué. Merci beaucoup. Quand on a une maudite, on n'a pas besoin de grand-chose d'autre, je me trompe exactement. Salut Aura, Yomikari. Yop Silver, j'ai combien de retard? 4 minutes de retard. Alors je rappelle le principe pour ceux qui ne le savent pas. J'essaye de lire un maximum de messages du chat, il m'arrive d'avoir du retard. Quand j'ai plus de 6 minutes de retard, j'utilise une attaque spéciale qui s'appelle l'attaque Fast Forward. Et j'ignore tous les messages des 6 dernières minutes. Mais tant que j'ai moins de 6 minutes de retard, j'essaye de rattraper mon retard. Voilà, des bisous, voilà, vous savez tout. Crane, ça fait longtemps que j'étais pas venu sur ton live. Quelles sont les nouveautés? Un sub goal, Maudie est rentré, t'as joué Hunter the Gungeon. Oui, il y a un sub goal 800 qu'on doit faire. Maudie est rentré et j'ai joué Hunter the Gungeon. T'as fini Dark Souls 3? Et oui, j'ai fini Dark Souls 3. T'as vu? Je dis oui à toutes tes questions. Salut Campion. Salut Dindintaco. 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 J'ai oublié alors que tu me l'as dit en vrai. Dindintaco, je crois. Crane, je dois mettre les dessins d'hommes tout nus sur ma fesse droite. Plein de bonheur pour toi et Maudie. Merci. Crane, si quelqu'un tombe à jour sur le mot fesse, et il se fait tatouer fesse sur la fesse. Mais oui, c'est in... attends, comment pour être...
Festception, c'est fait. Salut Keta. J'ai fini Dark Souls 3, Crane, j'ai vaincu le roi sans nom en un try, GG quant à ses lignes. C'est moi ou Crane galère de plus en plus avec les explications que quelqu'un fournisse un scribe à se mettre dans l'avant, c'est ça. Salut Niscom, salut Bretzel. Je suis absent deux semaines et les subs dépassent les 800, bravo, merci Olnur. Salut Dev le Belge. Plaisir de te voir heureux après tous ces galères d'appartement. Oui, moi aussi je suis content d'être heureux. Crane, tu m'as spoil la musique de fin de Castlevania Lords of Shadow. Oui, je suis un être horrible. Et nous avons Trimarcassin. Trimarcassin qui se réabonne pour la quatrième fois. 4 mois de soutien. Merci Trimarcassin. Des bisous et bim. Et bim, le resub de Trimarcassin. Merci beaucoup. Salut Lys Lero. Crane, je vois ta joie dans tes yeux plein de bonheur. Et oui. Salut Arkalim. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Eh bien, maudit rentrer. Campion, je crois que j'ai déjà dit bonsoir. Mais coucou. C'est un pro de Crane avec les mots. Je fais ce que je peux. Et moi, Crane, je marque quoi sur ma fesse? Ah, il faut faire partie de la communauté. La confrérie du dindon, parce que vous faites tous partie de la communauté. La confrérie du dindon. Non, pas la confrérie. La Glouglou Family, je vais y arriver. J'arrive plus, moi. Il y a trop de concepts. C'est trop compliqué. Peut-on voir toi et Maudie dans la même pièce? Elle viendra vous faire un petit coucou. J'ai dit que je l'appellerai tout à l'heure. Tiens, d'ailleurs, Crane, parce qu'elle est occupée. Elle a des choses à faire. Elle a son live à préparer. Elle est en live dans 2h30. Tiens, d'ailleurs, Crane, il faudrait que tu nous fasses le jeu auquel elle a joué la dernière fois sur son live. C'était fun et avec le nombre de personnes sur le chat ici, ça pourrait être assez marrant. Bon, on essaiera. Oui, elle me l'a bien vendu, on va dire. Apparemment, elle s'est éclatée. Et de voir quelqu'un qui s'est éclaté, même si à la base, c'était pas trop mon style de jeu, je me dis peut-être que ça pourrait vous plaire aussi. Tu fumes pas? Bah, c'est parfait en plus si tu fumes pas. Bien, tu fais en sorte que les autres, voilà. Ils ne fument pas non plus. Mais non, pas déjà fait. Déjà fait? Qu'est-ce qui était déjà fait? Ah, Kamehameha, ça a eu Cendrier. Oh bah non. Oh bah non, mince. Et voilà le problème du retard. Ah là là, donc on doit trouver un nouveau mot pour qui? Pour, c'était Jorakix. On doit faire un nouveau mot pour Jorakix. Utilise balance ses mégots dans la rue. Salut Kupo. Salut Sino Akira. Salut Kyoshir. Salut Miss Mars, je me suis embêté à retrouver une explication pour rien quoi. Alors, salut Crane, je suis pas venu depuis un moment, salut Zadef. Salut Reverlator. Je partage pas mon mot. Oui, je vais lui en donner un autre. Zorakix. C'est Zorakix, ça, je dis pas des bêtises. Hein, sur la façon de la... Jorakix, pas Zorakix. Jorakix, donc tu n'as pas. Tu n'as pas de cendrier dans les yeux. Tu n'as pas de cendrier dans les yeux. Qu'as-tu dans les yeux? Tu as un tiroir. Il a des yeux à tiroir. On l'a pas fait, les tiroirs, s'il vous plaît. On l'a pas fait. T'as l'air heureux et plein d'énergie, ça fait plaisir. Pourtant, j'ai passé la journée à la part du, j'en peux plus. Pourquoi live d'un homme heureux sur Twitter? Eh bien, parce que Maudie est rentré. Crane, est-ce que Revolver est déjà sorti comme mot? Je ne crois pas, non. Parce que les yeux Revolver. Future soirée spéciale usu, Crane s'est cramé. Pourquoi la soirée des 800? Je ne vais même pas proposer quand on s'est vu il y a quelques jours. Salut Talion First, salut Nikuchan. J'ai pas une mot non plus, Crane, j'aurais bien aimé pourtant. Alors, Bulgrose. Bulgrose va avoir un mot, bien évidemment. Et le chat sauvage aussi. Oula, attendez, tiroir on l'a pas eu. Attendez, je vais aller voir tout en bas. Normalement, tiroir on l'a pas eu. Ok. On va remonter. Alors, attendez, j'en suis où? Donc voilà. Jorakix. Il n'y a pas de cendrier dans tes yeux, mais il y a des tiroirs. Pourquoi il y a des tiroirs? Eh bien, tu as des yeux pleins de tiroirs, tout simplement parce que, je sais pas. Au secours! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec tiroir? Parce que dans sa commode, Jorakix y range ses chaussettes, ses caleçons, mais aussi plein de petits cœurs pour les offrir aux gens autour de lui. Et c'est important, comme ça, quand il y a des gens chez lui, ils disent « Tu ranges où ça ?» Ils disent « Dans le tiroir », ils ouvrent le tiroir et boum, il y a un petit cœur qui leur saute dessus. Voilà, c'était pourri, c'était extrêmement pourri. Voilà. Donc vite. Alors Bulgrose, qu'y a-t-il dans les yeux de Bulgrose? Dans les yeux de Bulgrose, il y a de la vie vivant. Et il a des yeux vivants, Bulgrose. Il y a des yeux vivants parce que chaque journée lui rappelle que c'est beau d'être en vie, même si c'est dur, parfois c'est très très dur. Mais tout cet amour qui est versé par tant de dindons autour de lui, ça ne lui dit qu'une seule chose, j'ai de la chance d'être ici, d'être là ce soir et d'être là avec vous. Et bien sûr, nous avons aussi de la chance d'être avec lui. Voilà, des bisous, Bulgrose, voilà. Et le chat sauvage qui a dans ses yeux, oula, il a un regard dur. Parce que parfois, c'est important d'être souple, de laisser les choses couler. Mais de temps en temps, il faut être dur aussi. Il faut savoir sévir pour remettre les choses dans le bon ordre. Voilà, parce qu'il y a des gens qui abusent. Salut Vélénani. Oui, désolé, je me souviens pas du 800 mots d'Ashan. Salut Calibri. J'ai hâte que Crane arrive au nom Cendrier. C'est vrai. Salut Adam Lidzer.
commentateur s'est trompé, il a remis arbitre au lieu de arbitre. Ah mince, Zone Peace, je suis désolé. Est-ce que tu comptes venir au Guiféry? Normalement, oui. Salut Veridia. Le 777, ce sera quand j'aurai chez moi. Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas vu Crane aussi en forme. En tout cas, on voit que tu es un homme heureux ce soir, Crane, encore plus que l'habitude. Je savais pas que c'était possible, ça fait plaisir à voir, c'est gentil. Donc, Nico Chanchili, salut. Bonjour à Maudine, ma part, elle est dans la pièce d'à côté, hein, d'un nom de dev le belge, parce que le bonheur est contagieux. Merci beaucoup, vous êtes adorable, merci beaucoup. Enfin, tu es adorable, du coup, sur le coup, hein, c'est toi, voilà. Salut Nimavint. Salut Kerbsolem, tu as l'air rayonnant, dis donc. Et nous avons Dwarline, Dwarline qui sera bonne pour la 7ème fois, 7 mois de soutien. Merci Dwarline du bisou et bim. Et bim le resub de Dwarline, merci beaucoup. Tu es l'air rayonnant, dis donc. Bonsoir à Maudie aussi, me semble me souvenir qu'elle devait venir chez toi. Oui, elle est arrivée hier. Salut Kerbsolem, du coup. Salut Kremfil. Les derniers dindons ne se mettent pas à jour. Ah oui, c'est vrai. Et bah, je ne sais pas pourquoi. On est bloqué sur le dindon d'AFK. Alors pourquoi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Je vais essayer de trouver la solution. Salut, Sinex, Jace, je refresh la page en fait. La fumée de cigarette, ça me fait cracher mes poumons. Je suis assez d'accord. Crane, il faut que je trouve une peluche maudite pour la mettre à côté de la tienne. Crane, y aura-t-il un level up dans la saison 3 d'aventure? Probablement, oui. Salut, Skogan. Il a peut-être déjà eu lieu, mais vous ne le savez pas encore. Qui sait? On est plusieurs à te suivre du Québec et on adore ce que tu fais. Merci beaucoup, Lightning. Très très gentil, salut à toi. Genre, il y a des chanceux qui ont droit à plusieurs chances avec les mots. Non! Non, 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 non. Non, non, c'est juste qu'il a eu un mot, je me suis trompé, il avait déjà été distribué ce mot. Toi, si ton mot, qu'on rappellera pas Galgarade, hein, c'est pas tout de suite. Eh bien, si quelqu'un l'avait déjà eu, j'aurais refait un tirage derrière. Salut Angie Nicolai. Salut Pierre. Crane, tu aurais pas mieux avec un logiciel qui tire un nouveau mot random mais que tu es sûr qu'il n'est pas utilisé. Quand le mot est utilisé, tu peux noter le nom de la personne et de la personne, ça se met dans un fichier. Ouais, bah, si on a... mais le truc, c'est que j'avais pas prévu à la base de faire un truc comme ça. Hein, c'était un gros délire à la con. Et après, voilà, on a continué. Et puis, je me retrouve piégé. Des tiroirs, car on peut ranger les souvenirs des lives, c'est mignon. Et nous avons Naruto, Naruto qui sera bonne pour la 6ème fois, 6 mois de soutien. Merci Naruto, les bisous et bim, le resub de Naruto. Alors, attends. Si je fais ça, et que je fais ça, ça fait quoi? Ça fait absolument rien. Par contre, si je fais ça et que derrière je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Bon, voilà, ça c'est. Normalement, ça devrait se réafficher, je l'espère. Crée une carte, tu t'ouvres pour accueillir tout le monde et toutes les choses, une tolérance sans faille. Crée une simodie est rentrée, tu pourrais pas ne pas faire de live exceptionnellement pour passer la soirée avec elle, c'est ce que j'en ai fait hier soir. Mako est dégueu, mais quand le stream freeze, j'ai toujours une image de Crane totalement rayonnant avec un grand sourire. Crane, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un de tes lives, du coup je n'ai pas trop compris le truc avec les mots. Non mais c'est un délire à la con, c'est juste que je sais jamais donner comme quoi comme avantage aux abonnés par rapport aux non-abonnés, parce que je veux pas pénaliser les gens qui n'ont pas forcément les moyens financièrement d'aider et qui sont là très souvent, mais d'un autre côté j'aime bien aussi récompenser les gens qui me permettent de continuer à faire ce que je fais parce qu'ils me soutiennent par le biais des abonnements, par le biais des dons, et donc c'est un petit délire à la con. En fait, vous avez un mot de la langue française qui vous est attribué, il n'est qu'à vous. Voilà, normalement je dois trouver une explication débile à chaque fois, mais vous en échange vous le tatouez sur la fesse. Droite ou gauche, de ton choix. Y a pas d'obligation. Salut quel raider. Je suis de retour maintenant que tu ne spoileras plus Dark Souls 3. Comment ça va les dindons? J'ai commencé un run NG+. Est-ce que tu gagnes de l'argent grâce à la chaîne YouTube? Non, pas pour le moment. Même si c'est Aube du Chaos qui tient la chaîne, je crois qu'il a activé le AdSense. Non, c'est ça, AdSense le nom? Je sais plus. Enfin le truc qui permet de monétiser, mais ça rapporte rien. Je crois qu'on a gagné 20 centimes, un truc comme ça. Crane, parce que aimons-nous vivants. Ah, oh, c'est dommage, Khalid, j'y ai pas pensé. Oh, j'y ai pas pensé. Mince. GG Crane, je garde le mot staying alive. Exactement. Henry nous a quitté, Crane dans Dark Souls 3. J'ai son épée grâce à toi. Ah, GG. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'inspiration de Crane qui s'envole. Exactement, c'est Cassup. Salut Draco. Lécher, laisser, loucher, lâcher, c'est la même. Exactement. Salut Genetic Shark. Crane, tu as vu les vidéos sur la PAX 6 sur Warframe avec Vauban Prime? Non, je l'ai pas vu, Crapton. Il faut être dur. Crane souhaite plus de fermeté avec son chat. Non. À bientôt, Calibri. Salut à Julie Inkling. Inkling. Salut Julie, quoi. Ça marche, Carlader. Salut, héros youtubeur. Crane, j'ai une devinette. Je suis un roi. Je suis un animal très doux et je connais beaucoup. Qui suis-je? Un dindon. Un dindon. Voilà. Salut, Antares. Et un dindon d'ailleurs d'Ezekiel. Tiens, j'ai rien à dire de particulier, mais comme d'hab, j'ai envie de participer à ton bonheur. Merci beaucoup, Ezekiel, c'est adorable. Merci beaucoup. Salut, Skinga. J'ai oublié de passer, il y avait un jour, Crane, coucou rapido, c'est j'appuie sur le bouton partager de suite. Merci, Naruto, des bisous. Salut, Fanhouse.
C'est quoi le programme? Bon, pour l'instant, on discute et après, je sais pas quoi on va jouer. Soit je continue mon Run NG+, qui va très très vite, hein, ça a rien à voir, sur Dark Souls 3, soit je fais du Hunter's Dungeon. Je vais faire un petit Stropole, je pense. Crane, ça peut te consoler un peu vu l'organisation un peu mauvaise de la Neocast. Je sais même pas si j'aurais pu te voir prochaine fois. Ça marche. Crane, je me suis abonné il y a 4 mois pour une durée d'un mois et j'ai toujours les smileys qui sont censés être réservés aux abos ainsi que la petite image à côté de mon pseudo. Est-ce normal? Je sais pas. Mais il y a des gens qui sont pas facturés qui sont toujours abonnés, donc je n'y comprends rien. Je ne sais pas. Si on se souvient plus de notre mot, faut que tu te souviennes à peu près de quand c'était que t'ailles voir dans la rediff parce que voilà. Salut Edolo. Salut Evil Monster. J'ai trouvé une magnifique peluche Titi Maudit Trône à côté d'une ours Crane. Ils dormiront ensemble jusqu'à la fin des temps. Crane n'empêche, elle doit être super sympa. Cette Steph, c'est Stéphanie, une Steph donc. Et oui, elle est très très gentille. Bien le bonsoir, le Crane. Mais non, Kalitz, non mais. Salut Sorakun, salut Flagboy, salut Prof Malcolm, salut Raville, Raidville. Sinon, Crane, c'est vrai que l'amour donne des ailes. Tu veux que je saute par la fenêtre, voir si ça marche? Salut Tuchanka. Salut Riz de Memeur. Salut Doc Créateur. Alors pourquoi tu es heureux? Parce que Maudie est arrivée. Elle est arrivée hier, de Montréal. Tu as donné un mot au modo? Oui, alors je me souviens plus quoi par contre. Hein. Je sais juste que Hagen c'est musique. Et sinon Nymphlotte, Cabal et Aube, je me souviens plus ce que c'était. Si Molly est revenue, Crane va passer ses nuits à jouer à Pokémon avec elle. Salut Maldras. Crane, je peux avoir un mot plutôt qu'une phrase. Fais les gros yeux. J'ai déjà fait un tirage au sort pour toi, Dindin Taco, ou pas? Non, tu n'es pas Gloobili, Usual. Tu n'es pas Gloobili. Salut Azars. Salut Simon. Pas de soucis. Crane, j'ai fait de la barque ce matin. J'ai pensé à toi en regardant les oiseaux dans le ciel bleu et je suis tombé à l'eau. Parfait. Salut Stark. Tu as vu le dernier Art Corner? J'ai lancé la vidéo et puis j'ai oublié. Salut Ball. Ball, tu as eu ton mot. Tu as eu ton mot. Tu as eu ton mot. T'es parti. Tu viens juste de t'abonner, je crois. Il faudra voir le replay. Attends, tu t'es abonné quand? Ball. Non, tu t'es... Attends, ça fait combien de temps? Ou je confonds? Peut-être que je confonds. Non, je confonds peut-être. Je ne sais pas. Ça fait combien de temps que t'es abonné, Ball? A ball 34500. Salut Calgary. Ravi de voir que ta bonne humeur habituelle soit multipliée par 10 en ce jour, et oui. Salut Matt Timer. Merci Crane pour ce mot, je garde ton amour dans mes yeux, plein tiroir, bien au chaud. Parfait, parfait. Salut Cubix. Je fais mon espagnol et j'arrive. Il y a Calraider qui réclame son mot aussi. Bon, Calraider, je peux lui donner directement dans les yeux de Calraider. Ah, il y a des hommes grenouilles! Il y a des hommes grenouilles dans les yeux de Calraider parce que Calraider est même prêt à aller dans les profondeurs pour trouver. Qu'est-ce qu'il trouve dans les profondeurs? Il fait partie des commandos d'Indon marin parce que. Je sais pas. Aidez-moi. Ayez pitié de cet homme devant sa caméra qui ne sait pas quoi faire avec Homme-grenouille, parce qu'il adore la natation et que être un dindon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un homme et une grenouille aussi en même temps. Voilà, je suis désolé, je n'ai pas d'idée. Si, c'est bon, Confucius. Voilà, Confucius, t'as pas besoin d'explication, t'as juste besoin de lire, Lucky. C'est chiant parce que du coup, je peux pas me réabo. Je suis désolé, Anna James. J'ai pas essayé Slim Rancher. C'était orthographe pour Aube. Oh, c'est pas gentil, Frost. Oh là là. Salut, Magisto. On voit quel est le modo préféré de Crane. Non, mais musique, quoi. C'était effrayé pour Aube. Ah, parfait. Crane, tu crois que la connexion de ton ami Steph va tenir lorsque vous allez tous les deux streamer en même temps? Normalement, oui. Si on stream à 1500, ça devrait tenir. Crane est maudit, c'est ça. Je suis Gloobili et la réponse de la devinette. Ah, d'accord, Lucio Wolf. D'accord, je viens de comprendre. Crane, je remarque que tu parles beaucoup plus de sexe, même sans le vouloir. J'aime ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Bonne soirée, Kamehameos. Salut, Ergad. Tu connais Saltibet? On va me la poser tous les soirs, cette question. Salut, Scalus. Papa Crane, c'est pas Papa Crane. Esthétique, si on veut tuer des gens qui se moquent de toi à cause de ton prénom? Non. Si oui, quelle manière est la plus sanglante? Non. Voilà. Salut, Zekerera. Salut Casaroldo. Les plus anciens ont droit à leur mot aussi. Bien sûr, c'est Cassup. Mais par contre, quand vous avez pas eu votre mot,
faut que vous me disiez, j'ai jamais eu mon mot, je suis sub et tu peux me donner mon mot parce que du coup là c'est qu'un sub, je sais pas si je dois te le donner ou pas te le donner parce que tu l'as déjà eu ou pas. Donc voilà, c'est le Megatron 2. Ah des trésors, oui, il peut y avoir des trésors en effet. Gros bisous, dis bonjour à Maudit, je file en cours, bon courage à toi Noyal. Merci Crane, surtout que je fais de la plongée, ah bah parfait Calraider. Bonjour Crane, je viens de voir le titre live d'un homme heureux, quelque chose de particulier s'est passé. Oui, nous avons Maudit qui est arrivé en France hier. Voilà. Et donc qui loge avec moi à partir de maintenant. Salut Mikiran, est-ce que tu gagnes de l'argent grâce à ta chaîne? J'ai déjà répondu, donc non, mais un jour je l'exploiterai j'espère. Yop Crane, niveau interactivité, viewer, streamer, tu dépasses bien des streamers, c'est très gentil Kumazian, salut à toi. Du coup je suis joueur, je veux bien connaître mon mot, nous dit Shizuatako. Shizuatako, ah on l'a déjà eu ça. Ah, dans les yeux de, comment ça s'appelle, de Shizuatako, il y a un jeune arbre. Vous le regardez pousser, et vous savez que ça va être un arbre centenaire, un arbre millénaire, car la passion communicative, l'amour débordant de Shizuatako perdurera dans le temps et fleurira à terme. Voilà, voilà. Ça fait un moment que je suis pas venu, tous les abonnés ont droit à un mot. Bien sûr, Bibish Game, tu n'as pas eu le tien. Toi, ah, dans les yeux de Bibish Game, il y a... Est-ce que je l'ai pas déjà fait? Parce que j'ai un jeu de mots derrière, mais je me vois déjà faire ce jeu de mots pourri. Donc je ne sais pas, parce que dans les yeux de Bibish Game, il y a une gorge. Il y a une gorge, parce que Bibish Game a un regard profond. Et je me cache, je m'en vais, parce que... J'ai pas l'idée, je suis désolé. Salut Celtigon. Et un joli dindon d'Afné. Oh grand Crane, aurais-tu la bonté de me révéler le mot qui donnera un sens à ma vie de dindon, nous dit Afné. Afné, tu fais partie de la Glou Family, je ne sais plus, je crois que oui Afné. Afné, en plus tu viens de te réabo. Non, je ne sais plus, en tout cas, dans les yeux d'Afné, il y a... on a déjà eu ça, mais tu me redonnes paquet quand on vient juste de l'avoir. Oh. Il a des yeux pleins de poches. Parce que comme pour les tiroirs, et bah les tiroirs c'est dans les commodes, et bah lui c'est quand il se balade, il a des poches et il emmène des trucs de partout. Parce que c'est un peu MacGyver, et bah il peut aider tous les dindons dans toutes les situations parce qu'il a plein de poches, voilà. Parce qu'il a une âme d'enfant et qu'il porte encore une grenouillère, très bien, j'ai 3 minutes de retard pour y arriver. Crane est perché pour ses explications, absolument pas Rezati. Il va chercher le Necronomicon, d'accord. L'inspiration est déjà derrière la lune, absolument. Crane homme grenouille parce qu'il va chercher l'amour au plus profond au cœur des gens, voilà. Crane mi-homme, mi-dindon et mi-grenouille derrière, exactement. Ce Crane en PLS dit mais tellement. Homme grenouille parce qu'on se plonge dans les choses avec passion, et oui. Les hommes grenouilles explorent les océans à la recherche de l'amour, pourquoi pas. Tu sais quoi Crane, j'ai hâte de m'abonner pour avoir mon mot car en ce moment je vais souvent dans un salon de tatouage. Ah, salut Kursk. Salut Léonassim. Alors DS3, c'était comment? C'était génial. On lance une grande campagne de collecte d'imagination pour Crane qui a épuisé la sienne, j'en peux plus. Oui, salut Rafaraf, Crane, tu m'as fait des yeux pleins de dessins d'hommes tout nus. Je veux pas garder ça avec moi et c'est un peu grand à écrire sur les fesses. Oui, non mais c'était... Ah oui, d'accord, t'as pas vraiment eu ça parce qu'il n'y a pas eu dessins d'hommes tout nus. Donc c'était, voilà. Donc Dindin Taco, tu as des yeux pleins de raisins. Voilà, les petits raisins. Des raisins, parce que j'ai que les raisins de la colère qui me viennent en tête, mais j'ai pas envie que tu sois en colère. Parce que être sur un... Oh mince, je sais plus comment ça s'appelle. C'est divan romain, là. C'est un nom qui se finit en homme encore. Ou voilà, parce que tu aimes bien te détendre et manger les raisins directement à leur grappe comme ça, parce que le dindon parfois est oisif. Bah oui, bien évidemment. Salut Noctamaskai, Crane, je me suis fait tatouer mon mot sur la fesse, du coup ça fait une journée assez sombre. Salut Sawain Orkis. Bah ça va bien, je te remercie. Crane, j'ai jamais eu mon mot, je l'ai dit plus haut, Kimou, c'était remorquage, je crois. Mon mot à moi, c'est enfant, nous disait Kiel. Salut Galminois. Salut Trophéda. Salut Ediv. Elle était où, Maudit, avant? Elle était à Montréal. J'ai déjà eu mon mot, Crane, je suis sub, tu ne peux pas me le redonner, s'il te plaît. Non. Oui, Crane, je le veux, pas le mariage, mais les mots, ça marche. CK sub, qu'y a-t-il? Oh, qu'est-ce qu'il y a dans les yeux de CK sub? Il n'y a aucun. Aucun. C'est le vide. C'est le vide, c'est le néant. Il n'y a aucun... non, il y a aucun problème dans les yeux de CK sub. Vous cherchez des choses qui vont pas, vous regardez les yeux de CK sub et vous ne voyez rien, il y a aucun problème. Voilà, je n'ai pas d'autres explications, aucun. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse avec aucun, quoi? Des yeux, aucun. 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 Vite, du love, merci. Bon, allez, Crane, je risque de le regretter, mais bon, puis-je avoir mon mot, bien sûr, Maxpot. Dans les yeux de Maxpot, et je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Dictionnaire, car il ne faut jamais avoir honte de ne pas connaître un mot. Donc, dans les yeux de Maxpot, il y a un muletier. Un muletier.
Un muletier. Bye, Matt le mixo. Et Réavis qui veut son mot aussi. Alors attends, ok. Personne qui conduit les mulets. Bah oui, bien évidemment, Maxpot conduit les mulets. Mais c'est pas tout à fait vrai, c'est un muletier particulier, Maxpot, parce que c'est les mulets qui proposent à Maxpot de le conduire quelque part, parce que Maxpot n'exploite pas les mulets. Maxpot est ami avec les mulets, car oui, les dindons aussi sont amis avec les mulets. Ils sont amis avec tous les animaux, bien évidemment. Et Réavis, qu'y a-t-il dans les yeux de Réavis ? Dans les yeux de Réavis, il y a une meule de foin. Il y a une meule de foin parce qu'il aime bien le petit canaillou aller se rouler dans la paille, dans le foin, et après jouer avec les meules. Parce que le dindon, ça aime bien la campagne. Voilà, voilà. Je souhaite une bonne nuit à tous. Bisous, bisous, Lucky. Au fait, il me semble que tu n'as pas débloqué le Kraken sur Anne of Fate de ce que j'ai vu à cause que tu n'arrivais pas à faire le voyage, qui est très dur niveau RNG jusqu'à lui. Je crois, oui. Tu as joué à quoi ce soir? Je ne sais pas encore. Salut, Insomniac. Est-ce que tu fais un instrument de musique? Non. Salut, DJ Mopok. Le glouglou résineux est de retour après une semaine d'abstinence forcée. Crane, pourrais-je avoir mon mot, s'il te plaît, Kalkiras, Kalkiras, qui a des yeux pleins de... Des fois, le plein de... Oh, bon non, t'as des yeux pleins de stress. Il faut pas stresser. Mais Kalkiras, des fois, il stresse un petit peu parce que il se demande toujours, est-ce que je vais réussir à apporter assez de bonne humeur autour de moi pour rendre les gens heureux? Mais il faut pas stresser. Faut, voilà, c'est pas, tu as plein de gens autour de toi pour te soutenir. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Salut Tarpin Chacha. J'avoue, Crane, j'ai jamais eu mon mot et je suis sub et donc j'aimerais le connaître par curiosité. Nous, les Frozen Boo. Frozen Boo qui a des yeux pleins de. Plein de. Internet 56K, c'est pas rapide. C'est pas rapide. Vous êtes tous sur le site en fait, c'est ça? Et du coup, maintenant il fonctionne plus parce qu'il a pas prévu qu'il y ait plus de 10 personnes en même temps. Quand tu veux. Il a les yeux pleins de volume. Et il y a des yeux pleins de volume parce que c'est un fou quand il écoute la musique super fort. Mais en le regardant dans les yeux, tu peux lui faire comprendre tout de suite que c'est trop fort. Et comme il est extrêmement compréhensif, et bah il baisse tout de suite la musique pour pas déranger les autres. Bien évidemment, Frozen Boo. Voilà. Salut Turbo Bambo. Et pas craindre de nous redonner Maudit au Canada, on en a besoin. Non, je la garde. Je suis désolé, Nobody Jazz. Je suis désolé. Salut Chien Ryukai. Moi, j'ai pas eu mon mot, Crane nous dit Shikamaru Girl, Shikamaru Girl qui a les yeux pleins de. Oh, t'as de la chance parce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a eu. T'as de la chance, il y a déjà quelqu'un qui l'a eu. Je crois que c'était Keps. C'est Pipi qui est sorti. Donc, tu n'as pas les yeux pleins de pipi. Tu as beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Plutôt d'avoir les yeux pleins de pipi, tu as les yeux pleins de légumes. Bah oui, parce que les légumes, c'est important. 5 fruits et légumes par jour. Et le dindon et légumes ovores. Voilà, des bisous. Question pour Crane, Maudit et le chat. Quel rapport y a-t-il entre un dindon, le mot de Crane, et un labyrinthe, le mot de Maudit? Eh bien, les dindons s'amusent beaucoup dans les labyrinthes et ne se perdent jamais. Voilà. Crane, alors, il est content? Il est plus que content. Molly va très très bien, Calibri. Salut Dragon Black Return. Salut Silver Clyde. Salut Chantilly. Salut Platman. Nanana. Salut tout le monde, salut Crane. Tu étais à la Néocast dimanche? Et non, Clem, salut à toi. Salut Zaregim, ça va très très bien. Allo, lag sur mon mobile, je rate les explications de Crane. J'en suis désolé, j'ai déjà oublié. C'est un nouveau jeu, un homme heureux, c'est ça. Mimi Crane, ça fait plaisir de te voir tout joyeux et galopant de joie comme ça. Oui, je suis content. Crane, tu as les yeux pleins de perles. Salut Animoflo. Salut Maître Spiropanda. Crane. Très intéressant ce que tu me demandes, Fulgorma. Salut Sikataki. Et non. T'es tout heureux, mais ça ne te regarde pas. Salut, moi aussi, Crane, je veux bien un mot. Et tu n'as pas eu de mot, toi, Zaragim? Zaragim, qui a-t-il dans les yeux de Zaragim? Je viens pas de le faire, je sais plus. Je sais plus, vous me l'avez demandé. Je sais plus, je suis perdu. Voilà. Mais sinon, dans les yeux de Zaragim, il y a des pompiers. Il y a des pompiers parce qu'il éteint tous les incendies. Voilà. Dès qu'il y a un incendie, hein, vous voyez un début d'incendie quelque part, des gens qui commencent à s'embrouiller, il arrive, puis pouf, il éteint tout ça, et tout le monde repart avec le sourire. Crane, mon mot s'il te plaît, quand t'étais sur Gaming Live, j'avais pas fait gaffe, j'étais sur ta chaîne perso. Ah oui, c'est ça! C'est ça, Ball, attention! Attention, Ball, dans les yeux de Ball! E34-500. Oh là là, il a des yeux, il y a plein de falsifications! Il fait des faux papiers! Il fait des faux papiers, mais pourquoi? Parce que le système est parfois beaucoup trop dur et il aide les dindons sans papier à falsifier leur papier d'identité pour trouver un endroit où ils se sentent bien, où ils seront accueillis, parce que des fois, le système, il est pas toujours bien fait, mais grâce à Balls et Ball, pardon, pourquoi je veux mettre un S à chaque fois? Eh bien, tu peux trouver un endroit où tu seras accueilli sans problème avec l'administration, voilà. Crane, est-ce qu'il faut être sub pour avoir son mot? Oui, Crane, donc il conduit Malgave. Très bien. Salut Darkness. J'adore le mot que tu m'as donné, Crane, car rien de tel qu'est d'être piéton pour préserver l'environnement. Exactement. Salut Casimel. Salut Drant. Salut Fanny Panda.
Salut Sam Fischer. Crane et Body, je vous souhaite le plus grand amour pour le temps de vos amis. Oui, merci. Finalement, quand Crane va sortir, c'est le mauvais suicide ou génocide ou Donald Trump. Crane, comment feras-tu quand quelqu'un aura les yeux pleins d'orphelins, par exemple? On trouvera une solution. Elle t'a ramené quoi de Montréal, Crane? Maudit, au fait, elle m'a ramené, le plus beau cadeau. Elle s'est ramenée, elle, voilà. C'est tellement mièvre. Je suis désolé. Salut Bazos. Ah non, sorry, Triclinium, c'est la salle où sont les canapés romains. T'es sûr que c'est la salle? Il a des yeux pleins de volume, ça veut dire qu'il a des gros yeux. Pipi, le mot qui a fait planter le PC de Crane l'autre soir, exactement. Salut, je m'avoie. Salut Bobby. Vous arrivez à vous y retrouver? Parce que moi, j'y arrive pas. Les mots... Avoir du retard sur le chat, je gère, mais avec les mots en plus, c'est une telle galère. Salut Unshade d'Utopia. Salut Shikimi, ça me fait plaisir de te revoir. J'ai du mal à venir tous les soirs car je dois me coucher tôt. Je fais une formation pour valider un projet professionnel ou trouver du travail. Eh bien, c'est important que tu le fasses. Donc, je suis très très content que tu loupes les lives pour ça. Et j'espère que ça te plaît. J'espère que tu trouveras quelque chose qui te rendra heureux. Ah là là. Attention, Run. Non, j'ai toujours pas trouvé d'appart, Padabon. Crane égale dindon égale Crane, labyrinthe égale maudit et Crane dit que les dindons s'amusent beaucoup. D'accord, ok. Salut, y'a pas de quoi. Salut, Calendor. 821 sommes, mais non, c'est pas 821. C'est pas 821. C'est 825. Hop, parfait. Très jolie musique, qu'est-ce que c'est? C'est Final Fantasy 9. The place I'll return to someday. Ok. Donc voilà, là, je crois que je t'ai déjà dit bonsoir. Non, mais vous avez des questions quand tu as genre avoir des enfants avec Maudit, mais franchement, à quel moment on a gardé les cochons ensemble, hein? Hein? Des yeux pleins de pattes de canard? Qu'est-ce que c'est que ces mots? C'est une connerie, je sais pas pourquoi je suis parti dans ce délire-là. J'ai décidé que tous les subs avaient un mot de la langue française qui leur était désigné, il est KE, et ils doivent en échange se le faire tatouer sur la fesse, donc droite ou gauche, fesse de leur choix. Donc si t'as pas eu ton mot, Shmawa, tu peux le demander. Crane, pour t'assurer les 800 subs, pourquoi tu ne récupères pas les mots de chaque sub qui sont présents et tu crées une histoire RP avec ces mots-là? C'est mignon, mais c'est compliqué quand même. Crane, j'ai les yeux... Ah oui, mais... Ah oui, ça peut être marrant. Ça peut être très très marrant. Très très bonne idée. Salut Skull Dark. Crane, je fais les études de compta. Ça colle presque. Coucou Crane, je veux te voir jouer à Dark Souls 3, nous dit Cri-Cri. Salut Warrior. Salut Strongman. Salut Agrabi. Tentez, je retourne en raid. Salut Shikubi. Crane, à quand le prochain épisode d'aventure? Le dernier était génial. Bah demain. Demain. Il est très roleplay celui de demain. Salut Azura. Mais Crane, tu m'as zappé, c'est quoi mon mot? T'as pas eu ton mot, Bazos? Ah, j'ai oublié le mot de Bazos. Alors le mot de Bazos, c'est... Dans les yeux de Bazos, il y a une créature. La créature... Oui. Dans les yeux de Bazos, il y a une créature. Cette créature telle... la créature de Frankenstein est créée de toutes pièces par les dindons parce que leur but c'était de créer l'être parfait et donc un être qui n'était capable que d'amour et de bonté autour de lui. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont créé cette créature, ils se sont rendus compte que, en fait, ils avaient créé un dindon. Et oui. Voilà. Salut Lyolite. Salut Alador. As-tu testé le jeu Saltibet? Non. Salut Objoxan. Crane, c'est quoi le site que tu utilises pour donner les mots? C'est motsavec.com. Motsavec.com. Salut Makushimovi. Salut Karim. Comment vas-tu, Maudit? Est bien arrivé? Oui. Crane, je crois que l'alerte sub ne fonctionne pas non plus. Sirataki vient de sub. Ah bah mince! Oh, c'est tout cassé! C'est tout cassé, comment je fais, moi? Et non. Non, par contre, normalement, je vois les alertes, donc je pense pas qu'il y ait eu le sub. Salut Hildegarde. Je vais relancer quand même par acquis de conscience. Hop. Ça charge. C'est tout blanc. Et à un moment, ça devrait devenir tout vert. Voilà, c'est tout vert. C'est tout vert. Non, c'est fermé. Et c'est bloqué. Ça y est, c'est bon. J'y arrive. Exactement, j'en suis tout triste. Bah mince, si Kataki, ça s'affiche nulle part chez moi. Mais merci beaucoup pour le réabonnement, les bisous et bim. Et bim, c'est un réabonnement ou c'est un abonnement? Merci beaucoup.
Attends, ça s'est affiché quelque part. Bah non, je le vois pas. Bon, des bisous, en tout cas, et bim. Et bim, merci beaucoup. Et désolé. Alors, j'en suis où? Crane, tu comptes jouer à WoW, les gens? Je ne pense pas, mais qui sait? Sur un coup de tête. Quand du Diablo 3 en stream, j'en ai fait beaucoup, j'ai plus trop envie. Franchement, les yeux pleins de mort, je me demande ce que tu feras, Crane, quand ça tombera. Je trouverai. Crane, comme mon mot est contribution, je me dois de contribuer à ton bonheur, donc je vous souhaite que du bonheur avec ta copine. Merci beaucoup, Dr. Philbad. Salut, Virbac. Salut, Derveis. Salut, Loïs Gab. Du coup, je vous laisse bonne soirée. Crane et coucou à Maudit de ma part, ça marche, Elwenza. N'empêche, Crane, comment tu vas faire si demain tout le monde fait un tatouage et t'envoie leurs fesses en retour? Salut Omega Xerox. Je dirais pas que quelqu'un l'a déjà fait, mais. Salut Osgilia. Salut tout le monde et salut Crane, salut Dakusukai. Salut un métallo anonyme. Un retard, j'avais un concours blanc jusqu'à 20h30. J'espère que c'est bien placé. Ça fait un peu plus de 6 mois de retard là, Crane. De quoi? 6 mois de retard de quoi? Coucou Crane, Maudit revient du. Oui! Salut Canard Poirou. Crane, je suis content que tu joues à Hunter the Gungeon. J'aime bien te regarder jouer et t'écouter, mais DS, c'est trop dark pour moi. J'ai pas dit que je jouais à Hunter the Gungeon, j'ai dit qu'on allait faire un Astropol. L'être parfait existe déjà, Crane, celle d'un don. Yop Gungeil. C'est beau. Salut Aurore. Crane, moi je suis pas somme, mais je peux avoir un mot. Non. Je suis désolé. C'est un pro Crane, en tout cas, cela fait un bon exercice mental de trouver ses explications. Ça fait mal au cerveau. Crane, en fait, Bazo, c'est un dindon garou, c'est pour ça la créature. Mais si, Crane, tu as de la mémoire, la preuve, tu te rappelles de mon prénom, n'est-ce pas? Menace les peluges. Ah! Ah! Je le sais! Je le sais! Je le connais! Je le connais! Je l'ai oublié! Je l'ai oublié, je suis vieux! Ah, attends, attends, je peux le retrouver, je peux le retrouver. Kenya? Crane, tes mangas. Ma manga préférée, Video Girl High de Masakatsu Katsura et Berserk, parce que Berserk, c'est tellement la classe. Dorian Vazos. Prochain épisode d'aventure demain, j'ai 2 épisodes de retard, je vais tout rattraper, donc salut Crane, salut chat, salut Etelcrawl. Salut Greyhound. Il semblerait que j'ai réglé sur renouveler automatiquement l'abonnement, je ne m'en souvenais plus, du coup, je veux bien mon mot, moi aussi. Et Anna James, qui a des yeux pleins de, qui a-t-il dans les yeux d'Anna James, ne le savoir, attention, 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 il y a des kilomètres. Et oui, il y a plein de kilomètres dans les yeux d'Anna James, parce qu'on se rend compte que ça va très très loin, on la regarde, c'est comme se balader dans des kilomètres de décors absolument splendides. Regardez les yeux d'Anna James, c'est se perdre pendant des heures. Voilà, des bisous. Et bim. Et bim. Oubliez le jeu, Crane, le live est parfait comme ça. C'est pas la peine de jouer. Salut, Dr. Cities. Crane, tu vis où? À Lyon. Salut, Glawak. Crane, à quoi on joue ce soir? Zappé, si déjà répondu. Bon, je sais pas encore. Crane, est-ce que j'ai le droit à mon mot à la place de mon alerte, s'il te plaît? Oui, tu as le droit à ton mot, Sikataki. Sikataki qui a les yeux pleins de... Plein de si. Il a des si. Parce qu'avec des si, on refait le monde. Donc lui, il a entendu cette expression. Et il s'est dit, je vais prendre ma scie. Et je vais commencer à scier du bois pour fabriquer des petites maisons, pour loger tous les dindons. Et il s'est dit, voilà, moi avec ma scie, je vais refaire le monde. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, Sikataki. Merci beaucoup. Coucou, Jean en bois. Crane, elle est où, Maudit? Je veux dire, où dans l'appart? Elle est dans la pièce d'à côté, elle est dans la chambre. Elle prépare son setup. Crane, j'ai le roman Le Dindon de Frankenstein dans ma bibliothèque. Et bien, je te le conseille, très bien. Oui, merci Crane, ça s'est bien passé, le concours parfait à Metal Anony. Salut Simoni. Salut Crane, salut le chat, ça fait plaisir de pouvoir regarder ton stream. Bah, salut Kuroneko. Coucou Irdanwen. Et bim, à peine posté la danse de Crane et je subis la malédiction du Ice Tea renversé, 50 minutes de ménage fail. Et j'en suis désolé Xeros. Tu te souviens du mien de prénom, nous dit Kael. Cléa. Crane, tu le débrouilles bien dans Hunter the Gungeon parce que je galère un peu de mon côté. Je finis au moins le premier niveau. Non, j'ai quasiment pas joué. Salut, Chosepper. Voici ce que je reçois quand j'essaye de m'amuser sur Twitch avec toi. Je suis Shiva, c'est exactement ça, tu sais. D'accord, ok. Je comprends pas ce que tu veux dire. L'être parfait, le dindon. Qu'en est-il des moutongles, Crane? Ah bah, c'est le deuxième être parfait. Crane, quel est ton meilleur ami? Globili? Crane, si tu es Dak, tu peux venir me revoir à Metz. Désolé, mais la fatigue me rattrape et m'empêche de pouvoir rester sur ton live. Bonne soirée à toi au chat. Des bisous. Bye, Calgary. Oui, Crane, c'est hyper drôle de te voir galérer. Salut. Bonne nuit, Julie, pardon. DS égale pompage fabuleux de Berserk. Non, ça s'appelle un hommage. Hommage. Hommage au désespoir.
qui va jouer à quoi? Je sais pas encore, Giuseppe. Et nous avons Hanzo, Hanzo88, Hanzo88, qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux plein de self-service. Bah oui, parce que le dindon est volontaire, le dindon est débrouillard et le dindon sait quand il doit se servir lui-même. Et dans les yeux de Hanzo, justement, c'est du self-service parce que le dindon n'a pas besoin de demander pour avoir l'aide d'Hanzo. Il suffit qu'il se serve et voilà, Hanzo arrive et vient vous aider. Voilà, des bisous et bim le sub. En plus, tu peux faire self sur une fesse et servir sur l'autre, c'est génial. Après le Ebim, pourquoi pas un Ebam? Ah non, il n'y a que Ebim. Et nous avons Doc Aubry qui se réabonne pour la quatrième fois. 4 mois de soutien. Merci Doc Aubry, des bisous Ebim. Ebim le ressemble. Merci beaucoup. C'est ancien que Léonard de Vinci. D'accord, ok, très bien. Crane part trop. Maudie stream ce soir. Oui, elle est en train de préparer son setup cassé. Du coup, Crane, vous ferez un live ensemble, Maudie et toi ou pas? Bah j'aimerais bien. Faut la convaincre, c'est tout. Cours, il y a un de tes abdos qui a une scie plantée dans ses yeux. Un de tes abos, pardon, un de tes abdos. Je me disais, j'ai pas d'abdos. Salut, Spitfire MK. Du coup, Crane, cet après-midi, on veut savoir, enfin, qu'est-ce qu'on doit savoir de l'après-midi? On a été à un centre commercial. Merci, Kael. Tu veux le dernier épisode de Chroma? Oui, surtout que Sign est un film que j'avais déjà vu plusieurs fois. Test de mémoire à court terme, Crane, quel est le mot que tu m'avais donné? Regarde Crane avec un regard inquisiteur. Non, mais comment tu veux que je me souvienne en vrai? C'est pour ça que je dis que vous devez vous en souvenir des mots, parce que moi je vais pas y arriver sinon. J'ai construit un petit village plein de cottages pour dindons avec un immense hôtel de ville à la gloire du roi dindon Crane. Aucun dindon ne devrait vivre dehors. On est exactement sur le même état d'esprit, dans le même état d'esprit, Zikataki. Et moi Crane, mon prénom, je te l'ai jamais dit, mais ça vaut le coup d'essayer. Robert! Ta! Sinon Crane, tu te souviens de mon prénom, nom et numéro de sécu? Non, seulement de ton numéro de carte bleue et du code. Crane, ah ok, parce que moi j'ai un ascenseur direct à la deuxième chambre, mais c'est chaud de commencer au deuxième niveau avec rien. Je comprends. DS3 terminé. J'ai terminé mon run normal, j'ai commencé un run en NG+. Tu commences tes lives vers quelle heure d'habitude? 21h, quasiment toujours 21h. Ton meilleur ami n'est pas la religion de la Sainte Tasse. D'accord. Bon, pour faire comme les autres, mon prénom à moi, Crane, nous dit Sajares. Claude, non, je m'en souviens pas. Bonne chance pour trouver les prénoms, tous les followers que t'as. Bye, Loanam. Tu es Verrou de Berserk, je ne veux pas trop de spoil. Après le tome 30, mais je sais plus où. Crane, ce que je veux dire, c'est m'a dit que je ne servais à rien en voulant m'amuser en parlant avec toi. Mais débrouille-toi avec les gens, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et dites pas qu'il sert à rien, c'est pas bien. T'es pas bien, vous dites pas ça aux gens du chat, hein? Vous êtes gentil avec les autres gens du chat. Voilà. Ça te fait plaisir? Ça va mieux? Rock est livré. Bah merci beaucoup, Anzo, c'est très gentil. Je suis pas d'accord, self-service, c'est un mot anglais. Déjà, t'as pas à pas être d'accord, hein? C'est toi qui fais les règles? Non, c'est moi, hein? Donc on discute pas les règles, voilà. On marche au pas ici, hein? Qu'une liberté. Le problème quand Crane est heureux, c'est qu'il fait encore plus de jeux de mots pourris, d'explications foireuses, mais ça fait super plaisir de le voir comme ça. Salut Titus Sport. Crane, c'était pompier. Ah oui, Zaragim, c'était pompier. Et si on oublie son mot, bah... Désolé, vous avez perdu à tout jamais. Vous vous rendez compte du cadeau que je vous fais? Je vous donne un mot de la langue française et vous seriez capable de l'oublier. Qui peut dire, moi, dans ma vie, on m'a offert un mot de la langue française? Personne. Personne, mis à part un membre de la Glue Family. Donc voilà. Crane, lettre parfait. Ah, aube de... Ah, parfait. Oh, c'est beau. Aube du chaos. Aube du chaos. L'homme de toutes les situations. Le dindon de toutes les situations. A créé un Google Doc où vous pouvez aller renseigner votre mot. Vous mettez votre nom d'abonné, votre mot. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Cet homme est fabuleux. Crane, être parfait, c'est l'ornithorynque. No joke, c'est le seul animal qui a gardé tous les aspects positifs des différentes familles d'animaux durant son évolution. Ouais. Mais non. C'est le dindon. Je m'en fiche de tes explications scientifiques, là. Crane, tu te souviens de la poiture et du tour de taille de mon canard? C'est Grindel. Tu m'as déçu. Crane, c'est quoi le live de Modi? C'est M-O-D-I-I-I-E-3-I, donc. Mais le nom de Gloobilly, c'est Glou ou Billy Crane? Exactement. Je vous laisse bonne soirée. Bonne soirée à Celtigon. Crane, le sais-tu que pour chercher les dindons, il faut dire... Pas poli. Pour chercher les dindons, il faut dire pas poli. Je ne l'ai pas.
Moi, je peux être gentil, je suis Judas. Mais t'es Judas dans comment ça s'appelle? Dans The Binding of Isaac. Crane, et c'est quoi? C'est quoi mon nom? C'est quoi mon... Non mais, ah, faut... Mais je comprends pas ce que vous marquez, hein. Moi, j'essaye de faire des efforts, ça. Moi, je vous en veux pas que vous fassiez des fautes ou des trucs comme ça. Mais je suis pas magicien non plus. Enfin, ça dépend pourquoi. Regardez, je peux faire... Hop, attention, attention, attention. Je vais vous faire apparaître un stylo. Hop! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, attention, je vais faire disparaître ce stylo. Attention, hop! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, un tour de magie. Un tour de magie exceptionnel. Exceptionnel. Je peux faire d'autres tours de magie. Attendez, j'en ai un autre. J'en ai un autre. Je vais faire disparaître ce morceau de bretzel. Attention, attention, regardez. Regardez, il est là, il est là, il est là. Il est plus là. Il est plus là, il a totalement disparu le morceau de bretzel. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme à FKBio. Avec ce que tu viens de dire, je ne dois pas t'appeler papa, Crane. Salut Sania. Salut ma épine. Crane attend parmi tous ces dindons. Tu es quoi parmi tout ça? Tu es le porte-parole des dindons. Crane, tu as un gros bisou de Lorely. Bah merci, hein. Crane, j'ai une excuse d'avoir oublié mon mot parce que tu as recommencé plein de fois parce que je suis tombé sur des mots pas bien, du coup j'ai pas suivi. Bah essaye de te souvenir quel soir c'était et faut regarder le replay en question. Tu as un bisou de Lorely. Ah oui, j'ai bien compris. Bah tu lui feras un bisou aussi. Salut Igor. Salut Storm. Salut Yalayan. Salut Yos. Du coup, je veux bien mon mot, nous dit Pandragon. Pandragon. Dans les yeux de Pandragon, il y a un gala. C'est le gala d'admission des dindons. Bah oui, quand il y a un nouveau dindon, on fait un gala. Mais c'est pas un gala prout-prout, voilà, tout ça. C'est un gala, on l'appelle gala, mais c'est presque un gueuleton. Voilà, vegan, bien évidemment. Et les dindons font la fête et sont heureux, il y a de la jolie musique, voilà, dans les yeux de Pandragon. Parfait, gala. Ou alors, tu peux chanter Free From Desire aussi, ça marche, c'est comme tu préfères. J'aime beaucoup Cthulhu, oui, j'aime vraiment beaucoup Cthulhu. Salut Zimandia. Comment je peux oublier ça, Crane? Aucun, c'est compliqué, c'est cass-up. Crane, je sais plus. Est-ce que tu as un tatouage sur les fesses? Aucun. Tu n'as pas de tatouage? Aucun. Voilà. Je sais plus le mot, c'était théâtre pour moi, j'ai un doute, je me mets ça. Ou alors tu m'en redonnes un. Non, tu vas le chercher. Hein? Vous êtes responsable de votre mot, ça suffit maintenant. Crane, j'ai mangé de la dinde ce soir, c'était bon. Vite, faut ban Strongman. Crane, juste un test rapide, dis mon prénom, Kylie, pour voir la prononciation. Kylie. Je sais pas, je sais rien, moi, qu'est-ce que tu veux que j'en sais? Ici, on a Crane, le roi de Twitch, Gloobily, roi des dindons, et Eden, la reine des loups. Crane, fabuleux. Majax. Crane, il se passe quoi s'il y a des mots en double? C'est les jumeaux ou ça se passe comment? Bah, vous essayez de me dire, il y a déjà eu le mot, et puis j'en prends un autre. Bonsoir, Crane, pourquoi es-tu heureux? Parce que Maudit est rentré. Sorcière Crane, au bûcher, hérétique. C'est de la magie noire. Crane magis. La tête d'affiche du cirque de Pékin. Crane, qu'est-ce que ceci? Cuillère, désolé, mais tes jeux de mots me rendent fou, donc c'est de ta faute si je fais des plans. Coucou. Le pire, c'est pas d'avoir Crane en papa, mais de se dire que ta maman s'est maudite. Non, on a dit non. Je vais sur le site de... Et je tombe sur le mot loup-garou. Quelle histoire vas-tu inventer avec ça, Crane? Bah, je sais pas. Pour le moment, on l'a pas eu encore. Salut, visuel. Un gala, prout-prout, tout ça. Crane, à quel autre jeu pourrais-tu jouer, mis à part Mass Effect? Et oui, c'est le moment, c'est ton destin. Non. Salut, Soul Sécher. Bonne nuit, Shinji. Salut, Shane. C'est pas... Salut Vibriotecaire, tu veux pas jouer à Dark Souls 3? Oh peut-être, je sais pas, on va voir. Ce sera soit Hunter the Gungeon, soit Dark Souls 3. Salut Demi-Baguette. Crane est un dindon, les dindons sont vegan, exactement. Merci Crane, j'ai un super mot, je vais me faire tatouer le visage de la chanteuse. Ah parfait. Crane, tu as exactement 5 secondes après avoir lu ce message pour résoudre ce calcul, sinon la Terre et Chloé disparaissent et je te donne le calcul. 9 divisé par 0. Ah c'est pas facile, c'est pas facile. Crane, j'ai fini la fiche Strange récemment, ce jeu est vraiment génial, tu avais sauvé... Chloé. Okay, salut, Crinnet. Crane, à quand le référendum pour l'invasion du pays des lapins? Mais on va pas envahir le pays des lapins. On va vivre en harmonie avec les lapins. Les gens parlent. As-tu déjà entendu parler des paroles de Dindon Jésus? Arrêtez de tout mélanger. Punaise du retard, on voit que j'ai pas eu le net un moment, je comprends pas l'histoire des mots, Crane.
Bah, Vidéogémus, c'est en fait chaque abonné a le droit à un mot de la langue française qui lui est attribué. En échange, tu dois te le tatouer sur la fesse. Voilà. Salut Verdi. Fais attention avec la magie reine, sinon tu vas te faire inquisitionner par Théo. Et tu as de la chance qu'il soit là. Bon, moi je m'en vais pour ce soir. Des bisous le chat et Crane. Bye Vazos. Bonne soirée Red Link. Salut Ben Dubs. Bonne nuit Horreur. Ah, ça y est, j'ai rattrapé le retard. Parfait. Bon, est-ce qu'on a le droit à un coucou de Maudit? 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 Est-ce qu'elle entend? N'entends plus. Mon micro, il est cassé. J'ai plein de messages pour me dire que mon micro, il fonctionne plus. T'es de retour ? Bah oui, bah c'est de retour. Bah il était pas muté. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Je suis de retour. Je l'avais coupé, remis, recoupé. Mais bon. C'était la musique toute triste. Vous avez une jolie musique de Swapper. Mais c'est ça le problème d'avoir du retard sur le chat. Comment vous voulez que je sache? Merci pour les messages en tout cas. Merci beaucoup. Ken, tu m'as répondu, mais tu as pas mis le micro. Donc je sais pas si tu as bien pris ma blague du je me désabo. Désolé pour le repost. Oh, je t'ai même donné un mot. Je t'ai donné un mot et je sais plus ce que c'était. C'était semaine. Ah oui, parce que avec les dindons, les semaines passent mais ne se ressemblent pas. Et avec le temps qui court, tout ça, tout ça. C'était semaine, ton mot à toi. Crane, t'as parlé tout seul pendant 2 minutes. Bah, je discutais. On a vu Fanny aujourd'hui, au fait, je l'ai pas dit. On a été à la part due avec Fanny. Et Fanny nous disait qu'elle a parlé 15 minutes tout seul sur son live la dernière fois en pensant qu'elle était encore en live alors qu'elle était plus en live. Ce sont des choses qui peuvent arriver aux streamers. Hein, voilà. La honte se lit sur mon visage. Avec la musique, c'était épique. En plus, moi, je vous répondais et tout, quoi. Hein. En attendant, on n'a pas eu de nouvelles de Maudit.
Non, tu n'as pas besoin de tatouer les photos de tes fesses avec le tatouage. Bon, je vais voir si, à mon avis, elle s'est endormie. Je pense qu'elle s'est endormie avec tout le voyage qu'elle a eu hier. Je veux pas faire de bruit, je vais aller voir, je reviens. Je reviens, attendez. Par contre, je me cache. Vous me voyez plus et vous m'entendez plus. Ah là là, normalement vous avez vu un bras, une main. Oh mon dieu, à qui est cette main? C'est un jeu, vous devinez à qui ça peut appartenir. Vous avez quelques instants pour trouver. On va voir s'il trouve. Moi je pense que c'est un peu difficile, hein. J'aurais peut-être dû donner des indices. Qu'est-ce que je peux donner comme indice? Non, c'est pas ma maman, c'est pas Red Fanny, non. C'est pas Jean-Luc Reichmann, non. C'est pas Harry Potter. C'est pas un dindon. Si, c'est un dindon, d'une certaine façon. Oh bah si, tu fais partie de la Loulou Family, hein. T'es un dindon. Un dindon laveur. Un radon d'inveur. C'est Atto. Ah, presque. C'est un bras coupé, exactement. C'est pas John Cena, c'est pas Eddie Malou. C'est Jacques Chirac. Ah, pas loin. C'est le bras que t'as arraché tout à l'heure. C'est ma main, lâche-la, tu me fais mal. C'est Prince. Et oui, la Sainte Tasse, c'est le labyrinthe. Et oui, c'est le labyrinthe. C'est le labyrinthe du dindon. Tu vas leur faire un coucou? Attends, vas-y. Tu veux de l'eau? Voilà. Elle mange tous mes bretzels. Non, t'as fini. La chose de la famille Adams. Ça dépend si elle met ses cheveux devant les yeux, on peut croire. Hein. Ah mais non, j'ai confondu avec le cousin machin, pardon. Bah oui, la chose, parce que vous avez juste mis la... Voilà. Une méchante madame. Attends, ça réchauffe, d'accord. Apparemment, je sers de bouillotte. C'est moi qui m'a dit. C'est Atto, réponse de Crane, presque. On va devoir discuter de tes relations avec Atto. Non, mais Atto, il vous fait croire qu'il a des relations particulières avec vous. Il dit la même chose à MV, il dit la même chose à plein de gens. Donc voilà. Fanny. Hein? Fanny aussi, bah oui, mais bon. Fanny, c'est... Attention! Ah là là! Ah là là! Oh voilà, elle est immense! Elle est immense! L'incroyable, l'inénarrable! La grande! Maudite présidente! Voilà. Ren, je te souhaite un bon live et bonne nuit. Bonne nuit, Aurore. Tu feras attention à quelqu'un à côté de toi. Je vois pas de qui tu parles. Elle est pas coiffée, Maudie. Ah bah si, pour une fois j'ai brossé mes cheveux, donc vous arrêtez, hein. Non, c'est pas ici. Il y a une jolie petite musique douce qui passe en fond en plus. Quelle surprise, c'est Maudie, vous y attendiez pas. Hein. Il y a personne qui a trouvé, hein. Personne qui a trouvé, hein. Vous êtes pas bon aux devinettes, hein. C'est incroyable, hein. C'est pas la vraie, elle est trop grande. Atto a bien changé, t'as vu ça? Bah c'est Atto quand il s'épile. Je sais que ça peut faire bizarre, mais Atto sans poil, ça ressemble à ça. Yop Tyrion. Voilà. Voilà. Qui est à côté de Maudie? Crane, elle a volé tes lunettes. Non, c'est pas... C'est, non, on n'a pas tout à fait les mêmes lunettes. Attends. Mais fais un effort. Ah, alors, c'est pas facile, hein. Voilà, merci beaucoup. Regardez ce que je subis au quotidien. Est-ce que des lunettes plus grandes, ça tirait? Pas sûr. Tu dois voir fou avec deux... Bah non, parce qu'elles corrigent quasiment rien, tes lunettes, quoi. Ah bah si. Bon, non. Bah, t'as vu mes lunettes? Mets mes lunettes, tu vas comprendre ce que c'est de la correction, non, hein. Moi, je vais t'en donner de la correction. Désolé. Oh. Désolé, je pensais à autre chose. De quoi? Ma manette de Xbox One? Tu voudras la tester? Oh, mais c'est petit. Oh, mais c'est bien. Oui. C'est moins d'une. Mais je vais l'utiliser ce soir. Unboxing. Pourquoi? Ah, parce que j'ai joué à Hunter the Gungeon ou à Dark Souls 3. Tu veux pas ma manette pourrie? De quoi? Tu veux pas ma manette pourrie? Non.
Ok, d'accord, hein, bande de méchants. En vrai, Crane mesure 1m20, sinon, salut Maudy. Tu peux laisser le live à Maudy, aller te coucher. D'accord. Pas trop fatigué, on te demande ? Après avoir dormi 10 heures ? A dormi 10 heures. On est peut-être mauvais devinette, nous Crane, mais au moins on connaît nos expressions dans une pipe en camembert. C'est vrai. Crane a Maudy. Mais... non mais oh. Les lunettes, ça se partage pas, Maudy. Comme les brosses à dents. Elle voulait me piquer ma brosse à dents. Non, c'est pas vrai, c'est toi qui m'as proposé, j'ai dit non. C'est dégueulasse de prendre ta brosse à dents. Oh, c'est horrible, genre à Kix. T'as pas lu ? Non, mais de toute façon... Sur ce, bonjour à Maudy, je me dois de dire au revoir au chat et à Crane, hélas, bonne soirée, Hmawa. Tu faut couper le stream si c'est... Non mais vous arrêtez. Tu peux pas partager ta manette, c'est beau l'esprit de couple après son voyage et tout. Je partage ma connexion. Non mais c'est celle de Steph, ça marche même pas. Maintenant que j'ai vu Maudy et Crane, je peux aller dormir. Bonne nuit à Lyon First. Crane veut pas prêter sa manette, c'est pas cool. Mais si, je peux même... j'en achèterai une deuxième. Voilà, on aura deux comme ça, on pourra jouer à deux. J'en ai pas besoin. Oui, mais on pourra jouer à deux. Mais j'ai une manette. Je vais la casser, s'il te plaît. Mais pas ta comme ça à côté de moi. On aurait dit que tu voulais m'en mettre une, quoi. Après, les gens, ils vont se demander. Désolé pour le repos, Crane. C'est bon, je peux m'en aller. Non, tu es bien. Moi, j'aime bien. Voilà, je te garde. Il y a Maudy dans la live de Crane, je comprends rien. Ma tête explose. Salut à vous deux. Au passage, nous dit Dakalololo. T'avais dit qu'on ferait des knecks. Un double live de prévu? Bah je lui demande, mais bon. Faudra que vous arriviez à la convaincre sur son live. Je vais streamer dans un lit ce soir, ça va être bien. Oui, ce soir elle stream dans un lit. Voilà. In bed with Maudy ce soir. Le titre oh, du stream. Horreur. T'aimes pas Madonna? Salut aux Hogwarts. Manette Xbox One pour tous. C'est le droit d'usage. Voilà. Maudy fait le déplacement. Partage ta manette. Crane soumis par Maudy. Salut Sino Akira. SOS dindon battu. Voilà, t'es pas trop plaisante avec ça. Tu es si belle comme ma fiancée, Crane a de la chance. Bisous Maudy. Il se fait un compliment à sa fiancée en même temps. C'est mignon. Elle doit être à côté. Salut Benji. Crane, tu nous fais un tuto rasage. Maintenant Maudy va nous faire un tuto chevelure. Crane bien fait. Il est bien fait l'hologramme de Maudy, t'as vu? T'as vu ce fond vert de qualité? Je suis chez Atto en fait, ça c'est la main d'Atto donc. Extrêmement bien fait. Ah, elle veut partir, elle va m'abandonner. Prête ton siège à ta copine, la pauvre quand même. Non mais à chaque fois, vous me faites passer pourquoi? Hein? Pourquoi? Le destin a décidé que je n'aurais pas de réponse. Ah, j'ai pas vu Sabine Orkis, je suis désolé. Il y a deux personnes dans mon écran, comment je dois réagir? T'as deux yeux, ça tombe bien. Maudy révolution du live de Crane. Crane à quand un jeu en versus contre Maudy pour savoir qui est vraiment le meilleur. Déjà, elle me racontait qu'elle jouait avec une de ses amies à Street Fighter. Et, sur arcade. Et apparemment, son amie appuyait sur tous les boutons comme ça. Et elle n'arrivait pas à gagner. Non, parce que moi, je joue clavier. Ah bah oui. Bien évidemment. Tes cheveux sont magnifiques, apparemment. Salut Hitman. Laisse-la s'asseoir sur des... Ouais, d'accord. Ah, où tout traîneur, Maudy. Tu live sur quoi ce soir? Mais Hunter Second John? Mais pourquoi? Je sais pas, il y a quelqu'un qui demande. Non, je ne dirai pas. Tu live sur quoi? Je ne sais pas, je ne dirai pas. Bah j'arrête mon live et on va tous aller sur ton live, voilà. Mais non, je ne sais pas. Elle ne sait pas. Non mais tu dis Hunter Second John? Je ne sais pas. D'accord. Du coup, Maudy va changer ses horaires de live? Je verrai quand j'aurai une vie. D'accord. Que... D'accord, t'as pas de vie. Non mais merci. Je veux dire quand merci j'aurai beaucoup. Quelque chose à d'accord. faire. Bonne soirée Crane et bonne fin de stream. Bye Creed. Et pour ton appart, ça avance? Non, pas pour le moment. Mais il y a beaucoup d'appart qui vont se libérer en mai normalement, donc j'espère qu'on trouvera. Crane ressemble tant que ça à Chirac pour plaire à Maudy? J'ai pas suivi. En fait, Crane il a une copine, mais il est pas du tout galant. Mais la galanterie. Parlons-en. Parlons-en. Le live des autres. Tu peux demander à Maudy de se situer sa fatigue sur une échelle de 1 à 100. 50. Salut Fusion. Fusion, il est venu juste pour moi. De quoi? Fusion est venu juste pour moi et ça, c'est beau. Oh, c'est beau.
Donc moi, il s'en fout, en fait. Oui. Très bien. Ça fait quoi de voir Crane faire son live de son côté de l'écran, pas trop désorienté? T'en fous. Une fusion, en fait. Boycottons la chaîne de Crane pour aller chez Modi. Très bien. Félicitations pour les 800 hommes, merci beaucoup. Avec autant de cheveux, peut-on dire que lorsque l'on pose une question à Modi, l'on obtient une réponse? Oh, c'est mignon. Une réponse. Désolé, Crane, je fais ça pour le bien de Modi. Crane, je me lance avec des amis pour les masteriser sur un RPG papier. Ce sera ma première fois, toute première fois. J'ai l'habitude d'écrire des scénarios, mais pas de gérer 5 caractères bien trempés. Quelques petits conseils. Bah, rappeler à tes joueurs et te rappeler à toi aussi que vous êtes là pour passer un bon moment tous ensemble. Et donc, c'est aux joueurs de faire en sorte aussi que la partie se passe bien, tout comme au MJ. Salut Nextrose. Modi a pas de vie. Elle consacre toute son attention à son cœur. D'accord, ok. Crane, je suis sûr que Modi peut te cacher avec ses cheveux. Ah, c'est possible, oui. C'est possible. Tu veux me cacher avec tes cheveux? Non, je vais essayer. T'as hésité quand même, hein. Non, je les ai remis. Oui, parlons de galanterie, faut juste promettre de pas me théo, Crane. Salut, course. Le pauvre. Désolé, Crane, je dois te faire de l'infidélité, mais Modi est meilleur. Ça marche. Ma chérie, elle a les cheveux courts, hein, quand t'as Céline qui continue de nous parler de sa chérie. Tu peux faire Sadako de The Ring avec les cheveux de Modi? Non. Après, je vais faire des cauchemars. T'as jamais vu The Ring? Ah, il faudra voir The Ring. Moi, j'irai. Enfin, je te mettrai The Ring et j'irai dans la pièce d'à côté. Quand t'as fini, tu m'appelles. Parce que ça fait trop peur. Faut faire ça pour un coup. Qui est cette dame avec ses longs cheveux? C'est Modi. Vous pouvez la retrouver en stream à minuit sur la chaîne Modi, M-O-D-I-I-I-P-E. Que fais-tu sur le stream de Modi? Crane l'écoute pas, elle essaie juste d'avoir des joueurs exclusifs. Crane, je veux t'entendre dire un terroriste intellectuel venu... Ah oui, un terroriste intellectuel venu d'une gauche que je considère comme moralement et intellectuellement décadente. Voilà. Crane, je viens sur Lyon ce week-end, je vous paye un coup. Non. Salut Crane et Modi, salut le chat, salut Sally. Crane, combien de dindons peut-on cacher dans les cheveux de Modi? Toute une armée. Ah oui, c'est vrai qu'il me voit jamais debout. Eh oui, oh là là, oh là là, exceptionnel pour la première fois, pour la première fois, attention. Ça va voilà. Jusqu'à ma hanche. Voilà, voilà, c'est pas du tout un problème de taille, pas du tout. On fait à peu près la même taille, comme vous pouvez le voir. Bon, j'étais plus proche de la caméra aussi, j'ai oui, triché. Un petit peu beaucoup, au moins 30 cm. Oui. La version japonaise pour The Ring, bien évidemment, parce que j'ai vu que celle-là. J'avais adoré ta prévue de Black Desert Online à l'époque, néanmoins aujourd'hui je suis déçu par le manque de contenu sandbox celui-ci. Qu'en penses-tu toi au final de BDO? Même avec toi. Tu peux vraiment lui prêter ta chaise? Non mais il y a une autre chaise à côté, hein. Elle, si elle s'assoit pas, c'est qu'elle veut pas savoir. Soit il y a même une sorte de balancelle ou je sais pas quoi juste à côté. Arrêtez de me faire passer pour un monstre là! Vous en avez sinon, hein? Non! Crane, le courage incarné fait le bruit de The Ring. Non! Quel courage Crane, de toute façon The Ring, tu as déjà vu, c'est pour ça que tu regardes pas avec. Oh mon dieu, mais Crane, tu es un géant! Oui. Non, je fais juste 1m80. On peut se faire une écharpe avec ses cheveux. Salut Crane, salut Modi, qui a de trop beaux cheveux. Je suis jalouse, nous dit Pilouli. Coucou à toi. Vous êtes beaucoup trop mignon pour votre bien. Bon, allez, temps de libérer Modi maintenant, Crane. Ah là là, magnifique, magnifique écharpe. Le petit foulard. C'est splendide, c'est splendide. Bah oui, voilà. Pour le derby, pour. Voilà. Exactement. J'ai de la génétique à réviser. Bon courage à toi, c'est Cassab. Je suis sûr que Modi a triché et s'est mise sur un trépied. Crane dans la balance, elle s'endort. C'est pas faux. Oui. Crane, mais tu n'es pas un monstre. Crane a un pantalon des abonnés. Crane vous souhaite plein de bonheur, c'est gentil. Crane qui est Batman et qui est Robin dans votre duo. C'est toi qui as l'argent. Il est bien caché. Hein. Modi reste exprès debout pour te faire passer pour un monstre, c'est ça. Crane, si Modi met ses cheveux droits sur sa tête, tu penses qu'elle aura la même taille que toi? Elle est plus grande. Pas exagéré. Tu peux mettre du gel. Tu seras hyper grande, quoi. Tiendra jamais. Salut Resident Duke. Salut Von Spluffer. Il y a eu un suicide à capillaire à côté de toi. C'est vrai, Crane, tu n'es pas un monstre, tu es un démon. Mm-hmm. Ah, ça y est, j'ai rattrapé le retard. Je disais en fait que Crane, que je te conseille si tu aimes le RPG Darksider 2. J'ai jamais fait les Darksider. J'ai jamais fait. T'as fait Darksider? Je connais pas. Crane et Modi, la chevelure de ta chair est tendre et vraiment impressionnante et jolie, en tout cas, ravi de te connaître donc, Modi. Si Crane et Robin, alors Modi est un homme.
D'accord. Je comprends pas tout ce que vous dites. Hommes. Ah. Bon. On peut en aller. Ouais. Fais un bisou avant. Attends, attends, j'enlève la caméra. Et je coupe le son. Me revoilà. Me revoilà. Oui, je connais Undertale. Salut Yannis Art. C'est quand même les lives de la Kawaiitude à chaque fois ensemble. Les... Attends, attends, ça va trop vite. Ça va trop vite. Les Darksiders sont plutôt bons. Je te les conseille, Diasta. Crane, je crois que Maudie a assez de cheveux pour faire la coupe de Marc Simpson, je crois aussi. Crane, c'est pas mal l'histoire du gel. King Jong-un fait la même chose pour paraître plus grand. Vous avez rien vu du tout. Crane, plutôt Freya ou Steiner sur FF9. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à FF9. Crane qui censure, Peggy 18, et c'était rapide. Problème d'hologramme, plus de courant. Exactement, Lislero. Moi aussi, je veux un bisou, Crane. Et nous avons Pilouli, Pilouli qui se réabonne pour la 8ème fois, 8 mois de soutien. Merci Pilouli, des bisous et bim. Et bim le resub de Pilouli, merci beaucoup. C'est comme les fonds du noir. Non à la censure, vive la liberté d'expression. Tu aurais pour toi, Crane, j'ai une dette envers Maudit pour Pokémon XY et Rosa. C'est quoi cette censure? Tu aimes la série des Fallout? Pas spécialement, mais j'ai rien contre non plus. Oh non, déception, Crane qui coupe la caméra et déserte le chat les 5 secondes où je dis bonjour. Je suis désolé, Nilonchon, coucou à toi. Bonne nuit à Vidéo Gémé. Rends-nous à toi. Allez, bonne nuit tout le monde, bonne nuit Crane, bonne nuit Bulgrose. Yop Dr Zitoun. Je suis super en forme, c'est une bonne nouvelle. Bon, il est quelle heure? Il est 22h27. On va faire un petit Stropole. Stropole. Alors, Stropole. Instant real-time polls. Alors, enter the Gungeon. Dark Souls 3 NG+. Puis c'est tout. Écoute ton cœur. Voilà. Voilà, voilà. C'est créé. Hop, et voilà pour le Stropole. T'pole. Chaque fois, moi, ça me fait penser à T'pole. Attention, je spam. Dis-moi, Crane, tu as eu l'occasion de tester Black Desert, et si oui, comment tu l'as trouvé? Bah, décevant, décevant. Par rapport à ce à quoi je m'attendais à la base, mais c'est pas pour autant que ce sera un mauvais jeu. Juste, j'ai plus le temps à consacrer au MMO comme avant. Salut, vilain belge. Par contre, Crane, comme ça fait 8 mois, j'ai pas eu mon mot. Je peux l'avoir, s'il te plaît? Bien sûr, Pilouli. Pilouli, qu'y a-t-il dans les yeux de Pilouli? Nous allons le savoir. Dans les yeux de Pilouli, oh mon dieu! Oh mon dieu! Dans les yeux de Pilouli, il y a de la drogue! On n'a pas déjà eu drogue? Mais c'est de la drogue naturelle. C'est de la drogue naturelle. En fait, c'est pas ça. C'est même pire que ça. C'est que regarder les yeux de Pilouli, c'est comme prendre de la drogue, parce que ça en devient une addiction. Tellement on a envie de se perdre dans ce regard. Mais c'est bon pour la santé et c'est surtout bon pour le moral. Voilà, des bisous. Et bim. On a déjà eu drogue. Quelqu'un qui dit on a déjà eu. Je suis pas sûr. Aslag a pas eu son mot. C'est vrai. C'est mal la drogue, vous voyez. Exactement. Ah, Maudit est rentré, vilain belge.
Alors, nous avons... Qui c'est qui n'a pas eu son mot, mince, j'ai zappé. Aslag. Aslag n'a pas eu son mot. Qu'y a-t-il dans les yeux d'Aslag? Dans les yeux d'Aslag, il y a un... Alors, un automatique ou une automatique? Ou dans les yeux d'Aslag, c'est automatique. C'est automatique. Même pas y réfléchi. Déjà, vous regardez dans les yeux d'Aslag, c'est automatique. Il vous communique sa bonne humeur. Voilà. De façon totalement automatique. Je n'ai pas d'autre explication. Voilà. Tu peux faire auto-hématique sur tes fesses si tu veux. Comme tu veux. C'est quoi comme jeu écoute ton cœur? Tu te rends compte que tes abos ont de la drogue cachée dans leurs yeux et des scies plantées dans l'orbite? Ça arrive. Y'a Valkymore. Crane, on l'a déjà eu. T'avais déjà fait la blague de la drogue naturelle. Mince! Ah, on l'a déjà eu. Ah, si on l'a déjà eu, ça veut dire que c'était Pilouli, hein. Pilouli, il faut lui redonner un nouveau mot. Ah, je suis désolé, Pilouli, c'est pas drogue. Dans les yeux de Pilouli, il y a... C'est une drogue, d'une certaine façon, pour certaines personnes. Dans les yeux de Pilouli, il y a des mathématiques. Il a les yeux pleins de mathématiques. On regarde les yeux de Pilouli, il y a des chiffres de partout. Mais parce qu'il veut résoudre l'équation du bonheur. Tout simplement, donc il a décidé de consacrer sa vie à résoudre l'équation du bonheur. Et nous avons Antonio qui sera votre premier abonnement. Tu deviens donc un membre confirmé de la Louvre Family. Tu rentres dans la confrérie du dindon et bim. Et bim, le resub d'Antonio. Merci beaucoup. Salut Kinder. C'est automatique le forgeron d'Astérix, exactement. Salut Warfire. Et on peut demander à changer de mot si on se sent pas en osmose avec celui-ci. Non, Eos. À tout jamais, il doit te suivre jusqu'à la fin des temps. Et je te trouve un petit peu... Enfin, cracher dans la soupe, c'est quoi le mot que je cherche? Un petit peu... Tu exagères un petit peu, Maurice. Tu as un mot de la langue française rien que pour toi. Et tu fais le difficile en plus derrière. Hein? Hein? Alors qu'il y a tellement de gens sur cette terre qui rêveraient d'avoir un mot rien qu'à eux. Salut Nersink. C'est mon premier live avec Tonalis Steam Machine. Salut à toi. Bienvenue. Je vais vivre sans pouvoir avoir de mots par Crane. Je suis la tristitude. T'en as pas eu, Biostorm? Si t'as pas eu de mots, Biostorm, on va te trouver ça. On va te trouver ça dans les yeux de Biostorm. Et dans les yeux de Biostorm, il y a des étendues. Des grandes étendues, des étendues sauvages, des étendues d'eau. C'est la nature. C'est la nature qui s'étend à perte de vue. Voilà, Biostorm, tu peux te tatouer étendue sur la fesse. Voilà. Salut Lorne Nétero. Salut Flo. Un ingrat, exactement. Crane, perso, je veux pas de mots, donc je me réabo pas. J'ai bien compris, Galitz. Tu parles trop vite, Crane. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu t'es fait bâti par Crane, tu as atteint le Nirvana. Salut, Ibanez Rez. Ingrat, bah oui, c'est ça que je cherchais, exactement, bah oui. Crane, je suis obligé de me faire tatouer convoyeur sur les fesses. C'est toi qui vois. Comment tu le seras par rapport à ta conscience? Et nous avons Cosmos, Cosmos 3772, et qui rejoint la Glouglou Family. Bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de nature. Il y a la nature dans les yeux de Cosmos, la nature. La nature, ça va un petit peu avec comme les étendues. Vous voyez, tout est lié. Tous les dindons sont liés pour former un unique tout, le tout de la vie. Voilà, GG à toi la nature, c'est dans les yeux de Cosmos. Voilà. La nature humaine, la nature des dindons, la nature. Je vais vous laisser pour cause de concours blanc. Eh bien, bon courage à toi, un métalleux anonyme. Convoyeur en deux mots. Ah, parfait, Grindel, très bonne idée. Mais oui, tu te fais tatouer con et voyeur sur chacune des fesses. Moi, ça me paraît très très bien. Salut, Sieban. Du coup, on joue à quoi ce soir? Eh bah, je sais pas, j'ai pas regardé le Stropol. Stropol. Eh bien, c'est Écoute ton cœur qui gagne. Écoute ton cœur qui gagne. 158 votes. Que me dit mon cœur? Mon cœur, il me dit... Qu'est-ce qu'il me dit, mon cœur? Et vilain belge qui n'a pas eu son mot non plus. Et vilain belge qui veut savoir quel est le mot de la langue française qui lui est associé. Il a des yeux pleins de... Prévision. Voilà. C'est un homme prévoyant. Il fait des prévisions. Vous regardez... Bah, par exemple, si vous ne savez pas si vous allez si vous devez prendre ce petit manteau, s'il va faire froid ou pas, eh bien, vous regardez les yeux de vilain belge et vous voyez des prévisions météorologiques. Voilà. Et grâce à lui, vous n'attrapez pas froid ou vous n'avez pas trop chaud. C'est fabuleux. C'est fabuleux, vilain belge. Ton cœur te dit Dark Souls 3, on le sait tous, c'était un faux Stropol. Oui, mais Crane Hunter the Gungeon a son, on se vote ainsi. Crane, écoute ton cœur et gagne. Bonne fin de soirée, Crane. Bah, Maudie, elle va streamer, donc voilà. Si j'arrête le stream, je peux même pas aller avec Maudie. Salut la foot. Crane demande à Body du coup si on doit écouter ton cœur. On avait déjà dépassé les 1000 ou pas?
Sur la chaîne? Oui, plein de fois. Grâce à toi et le beau que tu m'as offert, je vais devenir Sikatak. Ah bah oui, c'est pas mal. Salut Désocrate. Écoute ton cœur, Crane, et coupe le stream. Mais non. Crane, ton cœur ne dirait pas de troller maudit avec ta belle manette qu'elle n'a pas alors que tu ne joueras pas. Va squatter son stream. Maudit choisit le jeu. Bon allez, on va faire Under the Gungeon. Il a eu plus de votes que Dark Souls 3. Même si j'aurais bien continué mon Renan NG+. Ou alors mon Renan NG+, je le continue sur Gaming Live. Ça peut être bien aussi. Je garde le NG+, sur Gaming Live. Après, il me dit, après à sacrer, juré, un petit peu. Un live blabla, bon, c'est un peu ce qu'on fait depuis quoi? Depuis une heure et demie déjà. Je suis crevé par contre, vous pouvez pas savoir quoi. Crane Skype. Voilà. Salut Mentona. J'ai pas eu mon mot moi non plus. Mais il faut faire partie de la Glouglou Family, je suis désolé, Narkman. Salut Bravo. Crane, si tu es fatigué, on peut faire une sieste entre Glouglou. Crane, c'est la retombée après le retour avec les amoureux, c'est ça. C'est le fait de ne pas dormir tout seul aussi, moi qui ai beaucoup, beaucoup de mal à dormir. C'est pas évident, il va falloir que je trouve le rythme. Merci Tapin Chacha. Bon allez, on va faire Enter the Gungeon. Un stream avec Maudit, ce serait bien, Crane. Oui, mais Maudit, peut-être qu'elle a envie de streamer un petit peu toute seule aussi. Elle vient d'arriver en France, tout ça. Peut-être qu'elle a envie de se poser. Je sais que ça lui met un peu la pression. Et nous avons Benoît, qui nous dit tellement de bonheur pour vous deux. Merci pour ce joli dindon. Merci beaucoup, Benoît. Des bisous. Des bisous pour le dindon. Merci beaucoup. Donc, ne croyez pas obligatoirement. Moi, j'ai envie de live tout le temps avec tout le monde, etc. Mais tout le monde n'est pas forcément aussi à l'aise ou n'a pas les mêmes envies. Donc, peut-être que plutôt que de faire ça, souhaiter à Maudit justement qu'elle s'installe, qu'elle ait un petit setup à elle et qu'elle arrive à faire un truc pour elle, ça peut être bien aussi. Hein. Il faut penser dans les deux sens. On t'entend quoi dans ton cœur à part des battements? Salut Alexandre. C'est quoi cette version de Mario World version continue pour s'endormir? Je sais pas. Tu vas prendre l'habitude d'avoir 20 cm carrés pour dormir. Mais oui, elle est pas grande, mais qu'est-ce qu'elle prend comme... Crane, en ce moment, a les yeux pleins d'amour, donc il est un peu fatigué, c'est ça. Crane, comment t'es venu ton envie de faire des lives? Un peu par hasard, dans le sens où je faisais des émissions sur jeuxvideo.com. Ces émissions, on n'a pas pu diffuser pour des problèmes de droit à un moment. Et du coup, on a lancé un live... sur Twitch juste pour expliquer pourquoi on pouvait plus diffuser, pour expliquer à la communauté, et du coup j'ai testé vite fait pour voir ce que ça donnait, j'ai trouvé ça absolument génial, je pensais que c'était pas du tout pour moi à la base, et finalement c'est devenu le truc qui me passionne le plus dans la vie. Voilà. Des games de lol, parce que le personnage que tu joues la première fois a un skin Saint-Valentin et que tu dois écouter ton cœur. Non, j'ai pas vu le dernier épisode de Game of Thrones. Je m'y suis mis d'ailleurs, créer Enter the Gungeon. Pour le moment je n'arrive qu'à l'étage 3. Par hasard tu es au courant pour les passages secrets dans les salles vides? Oui. Oui, Under the Gungeon, Crane, je vais pouvoir voir quelqu'un qui sait jouer. Non, je sais pas jouer. Je viens d'arriver. Elle vient d'arriver. Oui, elle est arrivée de Montréal hier. Fait du Rocket League. Quoi, moi vouloir voir quelqu'un de plus nul que moi sur ce jeu? Allons, soyons sérieux. Crane achète un lit de 5 km sur 8 km et tous tes viewers viendront dormir avec toi. Mais dis donc, ça a l'air bien ça. C'était LFG, c'est ça? Oui, Looking for Games. Comment vont les dindons dans ta cave? Il n'y a pas de dindons dans ma cave, ils sont tous en liberté. Du Rocket League, Crane, bien évidemment. J'ai une technique, Crane, quand elle se décale vers toi, tu changes de côté. Ouais. Moi, je veux un lit rond et qui tourne. Oh, un lit rond qui tourne et au plafond, tu peux voir des étoiles. Un truc qui met les étoiles sur le plafond. Et tu peux tourner sur ton lit comme ça et voir les étoiles qui bougent. Non, ça peut être génial. Ça n'arrivera pas. Crane, je suis pas très assidu ces derniers temps, mais sans indiscrétion, tu n'as pas eu la barre de coup de cœur? Non, je ne l'ai pas eu. Au-dessus de la salle de sport, ça fait très très longtemps ça, Nathan. Non. Je suis de Montréal aussi, elle a aimé, elle a adoré, elle a passé 3 ans pour ses études. Bon. Enter the Gungeon. Ah oui, mais suis-je bête? Il est sur GOG, donc il n'est pas sur Steam.
Donc il faut que je fasse ça. Ah mais c'est vrai que je joue à la manette en plus, au clavier Enter the Gungeon. Ah attendez. Hop, on me voit plus. On voit plus le dindon, on me revoit. Et maintenant il faut que je trouve Enter the Gungeon. Il est disparu. Il a disparu. Ajouter. Capture de jeu. Enter the Gungeon. Ici. Ok. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Est-ce qu'il y a du son ? Il y a du son. On va couper la musique de Final Fantasy X-2. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y aura que du son quand je vais dessus. Je vais changer le tag en Enter the Gungeon. Le Stropole a parlé. Parce que ça parle, un Stropole, bien évidemment. Alors... Quel as-tu vu par hasard la bande-annonce du nouveau Star Wars Rogue One? Si oui, t'en as pensé quoi? J'ai trouvé ça sympa, juste j'ai peur, il y a un côté un petit peu trop... mince, comment elle s'appelle cette série de films? Mince, comment s'appelle cette série de films? Et nous avons Astar. Attends, je vais couper le son là. Oula, on y arrive pas. Astar qui rejoint la Google Family, bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de... Qu'y a-t-il dans les yeux d'Astar? Nous allons le savoir dans un instant. Dans les yeux d'Astar, il y a des yeux pleins de vinaigre. Il y a du vinaigre, mais moi j'adore le vinaigre. Il y a du vinaigre de balsamique, du vinaigre de xérès, c'est ça? Il y a le vinaigre de noix. Il y a un million de vinaigres. C'est très important parce que Astar, il sait... que, déjà, quand on mange beaucoup de légumes, on adore les salades. Et des salades, c'est encore meilleur avec une bonne petite sauce. Et le vinaigre a son importance, c'est un élément essentiel de la cuisine, de ce que mangent les dindons. Voilà, merci beaucoup à Star, les bisous et bim le sub, merci beaucoup. Alors, j'en étais où? Astropole a parlé, on attaque Enter the Gungeon. Sur Crane underscore live et on va mettre une petite image. Alors, est-ce que j'en ai une qui traîne? Est-ce que j'en avais déjà une? Je ne sais point. Annuler. Enter the Gungeon. Hop. Image. Tiens, ça a l'air très très bien ça. C'est une image ça? Yep. Enregistrer l'image sous Enter the Gungeon. Hop, on met ça sur Twitter. Ça veut pas, parce que j'avais pas fini de télécharger, je crois. Ah, oui, ça veut bien. Ok. Salut sur les vols. Crane, lait, dit-on, ça mange du fromage ou des spaghettis bolo? Dit-on? Les dindons? Émile? Par contre, Crane, Overwatch, t'as tenté ou pas ton style de jeu? Pas mon style de jeu. Tu ne raconterais pas des salades. Crane, vinaigre, c'est déjà sorti, je pense. Mais non, c'est pas sorti, vinaigre. Arrêtez. Hop, on va mettre le son à 42, on va voir ce que ça donne. Parce que 42, c'est une bonne réponse. Salut Camille Skyloft. On va aller regarder là. Hop, on va mettre une petite mise à jour du sub goal parce que vous arrêtez pas de vous abonner. Alors, voilà. Hein? Voilà! Et le son du jeu, et je pense qu'on est bien. Est-ce que c'est trop fort ou pas? Dites-moi si c'est trop fort ou si le son il est bien. Salut Jude. Enter the Gungeon. À quand voir tes progrès sur LOL? Maintenant que je suis challenger, oui, il faudrait. Bon, attendez, est-ce que j'ai changé le tag? J'ai déjà oublié. Oui, c'est bon. Update. Un poil trop fort, ouais, c'est bien ce que je pensais. Un peu moins fort. On va mettre à 21, la moitié de 42.